Salut à tous, c'est sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui qui s'adresse à tout le monde. Bienvenue au nouveau, si vous découvrez notre chaîne ou si vous découvrez Magic avec cette vidéo, vous êtes au bon endroit, mais il y a aussi d'autres bons endroits, on vous en dira un petit peu Bien plus sûr. plus tard. On va vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que cette vidéo. Yep, alors on a eu la chance de collaborer avec Zerator pour le coacher en live et lui apprendre les bases du jeu. Donc voilà, là c'est un extrait de son stream. On est passé une heure avec lui, on a discuté avec lui et on a pu du coup lui faire un petit tuto sur les bases de Magic et ensuite partir sur une partie gameplay. Donc ça s'adresse à tout le monde, ceux qui veulent nous voir avec Zerator et qui nous connaissent déjà et ceux qui voudraient juste découvrir le jeu, découvrir Magic. Et pour ça, on a été à l'essentiel, on vous a divisé cette vidéo en plusieurs parties. Exactement. Petite précision, du coup, il n'y aura pas notre cam pendant le stream parce que c'était son setup, c'est plus compliqué de nous avoir. Mais il y aura nos voix. C'est nous qui expliquons du coup chacun notre tour les différents aspects de Magic à Zerator. Et si vous êtes débutant, bah, c'est parfait parce que vous allez pouvoir suivre un petit peu comme un live. Il y en a beaucoup qui préfèrent l'expérience live à l'expérience YouTube pour apprendre un jeu. Le côté découverte, et bah, cette vidéo s'adresse à vous. Pour l'essentiel, il va y avoir des time codes du coup dans la description, en commentaire épinglé. Et de toute façon, vous pourrez cliquer, normalement vous les Bien verrez sûr. sur la barre de défilement. Il y aura l'intro donc qu'on est en train de faire, la discussion avec Zerator, où on parle du jeu, on parle de nous, on se présente. Si vous ne nous connaissez pas, c'est un bon moyen d'en apprendre plus si ça vous intéresse, bien entendu. On parle de Magic en général. Et ensuite, on parle également du côté compétitif. C'est assez intéressant. Il y avait quelques questions très intéressantes de Zerator. Après, autre timecode, du coup, la présentation de Magic. Ça prend environ un petit quart d'heure. On va présenter les bases, les phases, les couleurs, plein de choses très importantes. Puis il y a la partie gameplay, c'est enfin, la plus grosse partie de la vidéo. On va faire plusieurs parties avec des decks différents et on va à chaque fois expliquer ce qui se passe. Et c'est un moment juste de plaisir. C'est ça. Le but, c'est qu'après cette vidéo, vous ayez toutes les clés de compréhension pour lancer vos premières parties sur Magic Arena. Vraiment, la présentation de Magic, les bases, on a fait un truc bien concis en une dizaine, quinzaine de minutes où on apprend vraiment tout ce qu'il faut savoir pour débuter la vidéo. Et après, gameplay régalade avec Zerator en plus, c'était super cool. Pour aller plus loin, on a une playlist tuto. N'hésitez pas à ouvrir cette playlist. Toutes les bases qu'on aborde dans notre petit cours de 15 minutes pour apprendre à Zerator à manier le jeu, eh ben, toutes les bases, on a des vidéos spécifiques pour aller un petit peu plus loin et comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'univers de Magic Arena. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, si le meilleur jeu du monde vous a tapé dans l'œil, évidemment, eh ben, Ce qui n'hésitez serait pas. normal. Ça serait normal, évidemment. N'hésitez pas à ouvrir cette playlist tuto pour aller un petit peu plus loin. Et pour ceux qui nous connaissent déjà ou qui voudraient nous connaître, n'hésitez pas à regarder cette petite discussion avec Zerator si vous avez un peu plus de temps, savoir qui on est, ce qu'on fait, quels sont les événements qu'on caste, le compétitif dans Magic. C'était un bon moment où on a pu échanger avec Zerator aussi. Exact. Bonne vidéo. Est-ce que vous pouvez voilà vous présenter auprès des gens pour savoir qui vous êtes, qui va me coacher ce soir sur Magic the Gathering? On est deux amis dans la vie, passionnés de Magic depuis extrêmement longtemps. Ça, Moi, c'est comme toi, beau. j'ai découvert Magic dans la cour de récré. C'était une mode, on collectionnait les cartes pour le coup. Et Et oui. puis au final, après, je me suis rendu dans des magasins qu'on appelle des local game stores pour pouvoir découvrir un petit peu les règles en profondeur Et et découvrir l'univers de tu t'es dit, en Magic. fait, on peut jouer avec les cartes, c'est fou. Ouais, on peut faire du PVP, on peut essayer de se battre avec ces cartes-là. C'était il y a quasiment 20 ans maintenant, donc c'est un truc qui m'accompagne depuis extrêmement longtemps pour le coup. Et à la sortie de l'annonce du soft numérique de Magic, qui est Magic Arena, j'ai proposé à PL de partager notre passion, de créer du contenu Yep. sur YouTube et sur Twitch notamment. Donc on a une chaîne sur YouTube, Valet PL Magic Arena FR, où Ah. on parle de l'actualité du jeu et on essaye d'apprendre à jouer au nouveau. Ça fait combien de temps que le jeu existe sur PC? Ça fait 3 ans environ là maintenant. Ça va bientôt faire Ok. 3 ans, ouais. Il me semble qu'il avait eu des débuts difficiles, non? Parce que j'avais suivi, je crois, la sortie. Et il me semblait qu'au début, c'était quelque chose où les fans n'étaient pas trop convaincus et finalement, ils ont réussi à convaincre les gens. Et maintenant, c'est hyper joué, je crois. Enfin, j'avais vu des trucs. Ouais. Parce qu'on se dit toujours, ouais, Magic, c'est un jeu de vieux, machin, les gens échangeaient des cartes dans la cour de récré et tout. Mais en fait, il y a pas mal de gens qui se sont mis à ça aussi parce que le genre du TCG sur PC est devenu populaire aussi. Donc, ça, c'est clair. Grave. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, il y a eu plusieurs versions un petit peu pour faire découvrir le jeu qui ont existé, qui s'appelaient Magic Duel, etc. Mais qui n'étaient pas le jeu à proprement parler, Ouais. comme on pouvait le jouer en carton, comme on dit. Du coup, c'est pour ça que ça a un peu refroidi les gens quand ils ont annoncé Magic Arena. Ils pensaient que c'était une énième Et version de ouais. découverte, alors que pas du tout. Les ambitions de Wizard, du coup, la boîte qui développe ça, c'est on fait la même expérience qu'en papier, mais en digital. Le jeu est free to play, venez, on se régale.
Vous avez exactement le même jeu avec tous les formats qui le composent, en tout cas les formats les plus joués. Oh, voilà, on était jeunes. Voilà, c'était au début de Ah la bah chaîne, il y a c'est 3 votre, ans. c'est votre chaîne d'accueil, hein, c'est votre page d'accueil, donc tuto Ouais, c'est débutant, vrai. apprendre les bases, effectivement. Donc je regarde, regardez, ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, ça peut être Ouais. utile parce que Bah oui. Magic, c'est un jeu qui est très très vieux, mais du coup qui a des règles aussi très profondes et très vastes. C'est ce qui en fait du coup le père de tous les TCG pour le coup et qui rend son gameplay aussi intéressant. Et c'est vrai que commencer à apprendre Magic, c'est Et pas une ouais. chose qui est évidente pour le coup. Bah, voilà. Mais en vrai, quand on vient nous suivre sur YouTube ou quoi, nous on donne toutes les clés de compréhension. On a plein de tutos et le fun il arrive extrêmement rapidement. On va le prouver d'ailleurs ce soir. Alors moi, On a remboursé quelques moi personnes. c'est pour ça que je suis très content de commencer avec vous, parce que C'est comment non. se me lancer dans un truc tout seul comme ça, en étant un peu noyé d'infos sur ces jeux-là, c'est un peu difficile, je trouve. Alors que commencer avec quelqu'un qui sait faire, bah comme plein de domaines bien sûr, hein, commencer avec des gens passionnés qui t'apprennent, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc je trouvais que c'était plus pertinent et ça va être plus cool. Donc voilà. Alors, on va aller dans le jeu direct, parce que bon, voilà, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Juste un truc, vous faites de l'e-sport sur Magic. Est-ce qu'on peut parler de ça juste très rapidement? Vous faites des tournois? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous commentez? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, on est assez polyvalent. À la base, on est des joueurs, donc on aime aussi jouer. On jouait notamment Évidemment. bah, justement dans des tournois boutiques. On se déplaçait même à travers la France pour faire ce qu'on appelle des GP. Ah Les ouais. GP, c'est des immenses tournois Des open, grands prix. des grands prix, Ah ouais, des des immenses grands tournois prix. Putain, open. c'est ouf. Ouais, ça rassemble entre 2 et 3 000 personnes à chaque grand prix. Et bah, il y en avait partout dans le monde avant cette période du Covid, malheureusement. Et ouais. Donc là, Magic Arena supporte l'entièreté du monde professionnel de Magic actuellement Ok. à cause du coronavirus. Mais voilà, nous, on était déjà joueurs avant de créer du contenu. Et c'est vrai que depuis que Magic s'est un petit peu centré sur Magic Arena et notamment sur l'e-sport, il y a des compétitions qui sont du C'est coup non. diffusées sur Twitch. Et nous, on a Arrêtez. essayé et on a réussi à être caster officiel Ouais. de Wizard of the Pour la Coast France, pour ouais. la France. Ah, c'est trop cool. Et alors, ça demande du temps. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de tournois en ligne maintenant, etc. C'est quoi la fréquence? Alors pour les tournois de très haut niveau, comme là on casse par exemple ce week-end, c'est de la fréquence d'environ 1 tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ah ouais, ok Et quand ça même. dure tout un week-end. Par contre pour les tournois avec du cash prize, etc., beaucoup de joueurs, ça en plus en version numérique, il y en a quasi tous les jours et surtout les week-ends. Ok. Est-ce qu'il y a des joueurs e-sport qui vivent de Magic et des gains des tournois ou pas encore? Bien sûr. Ouais, c'est Ah super ouais? intéressant parce Ok. qu'avec l'arrivée de Magic Arena, il y avait déjà un circuit professionnel qui existait. Il faut se rendre compte que Magic, c'est un jeu qui a 25, enfin, qui avait 25 ans avant que Magic Arena sorte. Maintenant, il en a Ouais. 27. Donc déjà, il y avait déjà un monde et un circuit professionnel pour le coup. Mais maintenant, il a été tout remodelé via Magic Arena. Et il y a ce qu'on peut appeler, on pourrait comparer ça à une Ligue 1 et à une Ligue 2. Donc il y a Ah la ouais. MPL, les Magic Pro League, 24 des meilleurs joueurs au monde qui vivent et qui ont un salaire par Ah l'éditeur, ouais, et qui d'accord, putain, c'est participent à ouf. toutes les plus grosses compétitions. Et ensuite, la Ligue 2, c'est 48 joueurs qu'on appelle la Rivals League, qui sont entre guillemets les challengers qui espèrent monter en Ligue 1. Ah oui, quand vous dites qu'il y a des joueurs qui en vivent, c'est pas du tout du rigolo, quoi. Il y a un vrai circuit, etc. Et Exactement. soutenu par l'éditeur, du coup. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est Ouais, super cool. c'est ça, c'est contrat avec l'éditeur directement. Et en plus, il y a tous les autres joueurs qui vont faire des perfs isolés sur des tournois. Et avec le cash prize, ils vont en vivre et ils vont financer du coup leur année suivante de tournoi avec Ok. ça. Donc en Oh fait, il y a putain. beaucoup plus de gens qui vivent de Magic, même professionnels, que ceux qu'on vient de citer. Juste un truc, c'est juste pour se rendre compte, c'est quoi les plus gros cash prize de Magic actuellement en termes de somme, si vous savez? Le plus gros qu'il y a eu, c'est 300 000 dollars Ah pour le quand gagnant. même! Pour le gagnant juste? Ouais, juste pour Ah le mais gagnant. c'est C'était le plus gros cash insane! prize. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous l'avez casté? Ouais, Ouais, c'était c'était l'invitation nationale. championnat. Non, c'est championnat du monde. Ah oui, les championnats du monde, pardon. Oh, c'est Parce que incroyable. l'invitational, c'était 250 000 dollars et c'était un des plus gros cash prize et ça a été Ça a détrôné été par les battu, ouais. Worlds de 2019, effectivement. C'est incroyable. Alors d'ailleurs, donc là, pour les tournois dont on parle, là, on parle de la version PC ou on parle de la version carton? Alors on parle de la version PC, Ok. parce que ça a eu lieu forcément en période de Covid, etc. Ok. Mais normalement, si on va dire qu'il n'y a pas de pandémie mondiale, Ça se il y joue en a physique. autant de tournois, ouais, ça se joue en Ah physique, il y a d'accord, même ok. plus de tournois en physique qu'en numérique, mais les tournois à très très haut niveau, du coup avec uniquement les professionnels ou en tout cas énormément de pros, ça c'est environ 50-50. Putain, c'est ouf. Alors, est-ce que c'est toujours le Lotus Noir la carte la plus chère du jeu? Toujours. Ah ouais? Toujours. C'est Alors, je crois qu'elle Indétrônable. sera jamais battue. Il y en a une qui est partie à 120 000 dollars il y a Ouais. quelques mois. Vache! Ah, parce que moi, quand Et il j'étais faut que jeune, ça soit une évidemment. première édition Ouais, en bien parfait sûr. état, plus Ouais, bien personne sûr, n'a bien ça. sûr. Alors moi, quand j'étais jeune, évidemment, c'était la grosse légende, hein, le Lotus Noir. Tu connaissais Ouais, toujours bien sûr. quelqu'un qui avait déjà vu un Lotus Noir quelque part, tu savais pas trop si c'était vrai et tout. Et donc, c'est encore le cas, putain, c'est trop ouf. C'est ouf. Ok, alors bon, je sais qu'après, vous avez d'ailleurs un tournoi à caster. Et d'ailleurs, je pense que je vais Yep. host votre chaîne quand on va finir. Comme ça permettra d'enchaîner dans le vif du sujet. Merci Comme ça, on beaucoup. pourra voir Bah, votre parfait. tournoi.
Et je trouverais ça hyper intéressant, même de regarder un petit bout, ça peut être pas mal. On va rentrer dans le vif du sujet parce que justement, j'ai pas envie de vous mettre en retard pour le truc. On a une petite heure ensemble normalement à passer. On va jouer jusqu'à 20h30, 20h40, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur Magic? Alors, je précise tout de suite pour les gens qui vont nous regarder, il y a un tuto dans le jeu, mais nous, on va pas le faire parce que je préférais me faire coacher par des gens en humain plutôt qu'en digital, avec un ordinateur. Mais le tuto est très complet, hein, il paraît. C'est en tout cas ce que vous m'avez dit off-live, Valet PL. Yep. Juste là, on va zapper ce tuto-là et on va directement aller dans le vif du sujet avec un live qui va s'adresser surtout à des gens qui débutent. Hein. Ça va pas être un live pour des gens qui connaissent le TCG, full tryhard et tout. Moi, je leur ai dit, faites comme si j'étais un enfant de 5 ans. J'ai joué à 2 TCG dans ma vie, c'était pas énorme. Alors attendez, je vais juste vous montrer un truc à la cam. Parce que justement, moi j'ai une carte Magic, j'en ai une, il m'en reste une, que j'ai gardée toute ma vie. Parce qu'en fait quand j'étais jeune, je m'amusais à collectionner des cartes Magic, mais pas n'importe lesquelles, j'en prenais des... En fait je collectionnais une des cartes les plus nulles du jeu, en premium, et j'essayais d'en avoir le plus possible, c'est le KD Impatient, que vous connaissez peut-être. Oui. Et c'est une bonne ref d'ailleurs dans l'univers de Magic. Ouais. Et en fait j'en ai une, et je l'ai retrouvée, regardez elle est là, je vous la montre. Mon KD Impatient Premium, et il m'en reste une, mais à l'époque j'avais réussi à en avoir une trentaine, et je faisais que ça, je ne collectionnais que les KD Impatient Premium, et c'était une passion que j'avais, voilà, j'essayais d'en avoir un max, et chaque fois que quelqu'un ouvrait un booster et qu'il avait que des cartes nulles et qu'il disait « Oh, j'ai une Premium, mais elle pue », et je disais « C'était un KD Impatient, ouah, c'est ouf » et tout, et j'en ai gardé une en souvenir de bon vieux temps, et elle est évidemment dans un emballage plastique maintenant pour qu'elle garde le truc. Elle est en très bon état, effectivement. Ouais. Je sais pas de quelle date. C'est rigolo parce qu'en plus, c'est une carte emblématique de Magic que tu as dans une extension emblématique folle. Ah ouais, il faut savoir que cette extension-là, normalement, elle est bord blanc et quand elles sont brillantes, le bord est noir, ce qui la rend un petit peu plus jolie, un petit peu plus rare. Bah ouais, écoute. Donc, c'est une belle carte. Moi, je la vendrai pas, hein, c'est un truc à moi. Je la garderai toute ma vie. Mais je trouve ça, effectivement, très, très rigolo. Donc voilà, c'est. Il y a écrit édition 93-2000. Il y a écrit dessus. Donc bon voilà, je sais pas ce que c'est, 14 sur 350, bon bref, voilà c'est ma petite ref magique effectivement. Alors, on est sur le jeu, alors déjà les gens m'ont jugé parce qu'ils ont dit alors t'as 982 000 gemmes, j'ai tout de suite été jugé. Alors c'est un compte qu'on m'a prêté évidemment, ce n'est pas mon compte personnel, je ne farme pas le jeu depuis des années. Je vous laisse la parole messieurs, je vous laisse me guider et on y va tout simplement. Ouais, on t'a fait un petit brief, alors le but c'est d'être le plus concis possible, donc on rentrera pas dans les détails parce que si on rentre dans les détails de Magic, on fait un stream de 12 heures. Ouais, normal évidemment. Donc je pense qu'on va pas faire ça, on va essayer d'être le plus concis. Donc déjà c'est quoi Magic? C'est un jeu de stratégie au tour par tour, un jeu de cartes, le lore c'est de l'heroic fantasy, voire de la dark fantasy, ce qui rend le truc vraiment intéressant du coup et qui peut parler à pas mal de gens. Le but, très simple, c'est vaincre son adversaire en mettant les points de vie à zéro. Il y a des conditions de victoire alternatives, mais on ne les mentionnera pas pour l'instant. Okay. Voilà, le but c'est de faire du PVP, ça se joue majoritairement en 1v1, mais il y a des modes de jeu différents qui peuvent se jouer en multi, mais ça c'est plus pour les versions papier, pas sur le soft numérique. Ah d'accord, ok. Ou du moins pas encore, peut-être ça viendra. C'est ouais, ça. Bah, c'est très attendu par les joueurs, donc d'accord, je pense que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux pour le développement. Il y a une grosse part de Magic, c'est très compétitif, très e-sport, mais aussi une grosse partie casual, c'est un jeu qui se consomme vraiment à tous les niveaux, et c'est très très sympa ce qu'on appelle un peu le kitchen table, jouer vraiment avec ses amis autour d'une table, et ça pour le coup Magic s'y prête très bien aussi. Bah, surtout que les jeux de société reviennent en force depuis plusieurs années, donc c'est clair qu'il y a dû avoir une sorte de creux, puis un relancement de la vague, je pense, pour Magic, ça m'étonnerait pas du tout. Ok. Yep. Maintenant, on va présenter les différents types de cartes pour entrer en vif du sujet. Est-ce que tu peux aller dans les decks? On tout à fait. Préparer quelques-uns. Et est-ce que tu peux ouvrir présentation? Oh, c'est beau. Présentation, ouais, c'est là. Ok, ouais. Vas-y. Je fais modifier modifier le deck, pardon. Tu peux l'ouvrir. Alors là, j'ai un bouton modifier le deck, mesdames et messieurs. Vous ne le voyez pas, c'est derrière ma cam, hein, mais il y a un bouton modifier le deck, il n'y a que ça. J'ai mis la cam à un endroit qui cache le moins de choses d'interface. Ok. Alors. Tac. Alors là, est-ce que tu peux cliquer tout en haut à droite sur l'espèce de petit carré blanc et noir? Alors où ça? Là? Juste au-dessus, tout en haut à droite. Ah là? Point d'interrogation, la petite. Ouais, exactement. Ah ok. Voilà. Et tu peux même cliquer sur la flèche orange, comme ça tu auras les cartes en grand. Ça sera plus agréable. Alors là, on t'a fait une petite sélection de cartes pour vraiment que ça parle à tout le monde et montrer un petit peu en détail tous les différents types de cartes, ce que ça peut faire, ce que ça signifie, etc. Donc il faut savoir déjà qu'il y a deux types de cartes. Il y a les sorts et les terrains. Les terrains, c'est ce que tu vois tout à droite. Ici. Plaine, île, marée, montagne, forêt. Je me souviens. Ils sont magnifiques d'ailleurs ceux-là. Le classique, ça parle à tout le monde, je pense. Ouais. Et le reste, tout le reste qui n'est pas un terrain, ce sont des sorts. Alors, il y a les créatures dedans, même si on dit que. Enfin, ça a l'air bizarre de dire qu'une créature, c'est un sort. Oui. Dans Magic, en fait, ça regroupe tout, parce qu'en fait, c'est des invocations. Donc, ça reste des sorts, les créatures. Pour parler des terrains rapidement, en fait, c'est ce qui sert à générer du mana.
mot qu'on retrouve dans tous les jeux du monde et qui va nous permettre de jouer des sorts avec le mana adéquat. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Et pour les types de sorts, on a surtout deux catégories, encore une fois, dans les sorts. On a les permanents et non permanents. Assez simple, les permanents, c'est ce qui reste quand tu les joues. Okay. Les non permanents, ça va directement au cimetière une fois que ça a fait son effet. Ok. Classico. Dans ça me parle, c'est marrant parce que vous me dites des trucs et ça me parle parce que... Ça mais revient, bon. Ça revient un peu. Mais c'est mais si vois, vieux c'est si... Mais les terrains, ouais, effectivement, le permanent, pas permanent, ok. C'est des choses... Mais ne considérez pas que je connais le jeu quand même, mais ça revient. Y a pas de souci. De toute façon, les gens peuvent faire des analogies faciles avec d'autres TCG s'ils ont déjà joué à d'autres TCG. Il y a plein de choses qui sont communes. Donc, ouais. Exact. Bah, vu qu'il a tout créé, si vous avez joué à un autre TCG, ça a repris des idées de Magic. Donc forcément, le show, c'est normal. Hein. Du coup, ouais, dans les permanents, on va retrouver principalement les créatures. Enfin, c'est le type de permanent le plus important. Ouais. Tu peux mettre ta souris sur l'orateur passionné, deuxième colonne. Ça va mettre un zoom dessus. Ouais, tout à fait. Hop, voilà. Oh là là. En plus, avec un artwork très joli. Et ça bouge et tout, c'est incroyable. Ça bouge. Ah, ça, c'est les petits skins dans le jeu, ils sont pas piqués d'hanneton. du coup, une créature, la particularité, c'est que ça a une force et une endurance. Ce sont les deux chiffres qu'on retrouve en bas à droite. 2-2. Donc voilà, 2-2. Souvent, quand on parle d'une créature, on dit tout de suite combien elle coûte et sa force ou endurance. Donc par exemple, là, c'est une 2-2 pour 2. Ouais. 2, la force, c'est les dégâts qu'elle va infliger. Et 2, l'endurance, donc à droite, c'est les dégâts qu'elle peut encaisser avant de mourir. Donc si elle prend 1, elle survit. Si elle prend 2 ou plus, elle meurt. Alors, t'as dit qu'elle coûtait 2. Mais c'est pas le 1 qui est en haut à droite de la carte? Et si, parce que justement le coût, j'y reviens plus tard, mais je peux l'expliquer tout de suite. Okay, ça va demander une couleur ou plusieurs couleurs. Donc là, ça demande un mana blanc. Et à côté, ça va demander un certain nombre de mana de la couleur de ton choix. Ah oui, donc d'accord. Là, le 1 incolore, ça veut dire que c'est un mana blanc et un mana de n'importe quelle couleur. Un incolore et un blanc, ok. Exactement. Ça marche. Et elle a un effet du coup qu'on voit dans la petite text box au milieu. Elle a un type, etc. Ça peut être pertinent à certains moments. Là, en tout cas, on présente surtout ce qu'est une créature. Il y a aussi d'autres types du coup de permanents pour un petit peu en parler. Il y a plein d'autres types, mais on va passer rapidement. Est-ce que tu peux mettre ta souris sur le silence assourdissant juste à gauche? Ouais, tout à fait. Parfait. Ça, c'est un enchantement. Pareil, donc quand on le joue, on paye son coût et il reste jusqu'à ce qu'il soit détruit ou autre. Et en gros, les enchantements, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter des règles ou des effets à la partie. L'effet, c'est qu'aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort non créature par tour. Donc c'est quelque chose ça c'est jusqu'à la fin. Ça c'est jusqu'à la fin de la partie ou que quelqu'un détruise cet enchantement. Ah oui, bien sûr. Mais tant que quand on le joue, il reste là jusqu'à ce que quelqu'un le gère. Ça marche. Et dans la même catégorie, on a les artefacts, c'est des permanents. Ce ne sont pas le même type, c'est important d'avoir des types différents à Magic. Mm-hmm. C'est par exemple le chaudron en ébullition juste en dessous. Ça pareil, quand tu vas le jouer, il va arriver sur le champ de bataille et il va rester là jusqu'à ce qu'il y ait un certain effet. Et il a un effet propre. Là, son effet, c'est que si tu payes 3 mana et que tu l'engages, tu vas le sacrifier, donc le mettre au cimetière, pour infliger 3 blessures à une créature. Donc c'est un anti-bête, en fait. Ok, je vois. Le classique. Ça va détruire, enfin, ça va avoir pour but de détruire une créature. Je passe rapidement d'ailleurs sur le symbole de la petite flèche qui est très important dans Magic. Ouais, pour petit, signaler. Et ça. Ouais, exactement. Si vous avez joué à des jeux de société, à n'importe quoi, vous avez souvent utilisé cette mécanique d'engager de 45 degrés une carte pour montrer que vous l'avez utilisée. Et la retourner dans le sens, je précise pour ceux qui qui voient pas le truc. Et du coup, ce symbole-là, ça signifie engager. Et c'est très important parce que c'est un peu Magic qui a popularisé ça. Et ça montre en fait les cartes qui ont été utilisées. Quand tu vas utiliser par exemple du mana pour, des terrains pour faire du mana, tu vas les engager de cette façon. En fait, c'est comme si votre carte devenait active, entre guillemets. Vous la passez à 90 degrés, donc perpendiculaire. Ouais. Et comme ça, on voit que la carte devient active, effectivement. Oui, pas 45, 90, c'est bon, vous avez tous compris, non? Oui, c'est voilà. Bon. En fait, c'est que dans le soft, c'est pas vraiment 90, c'est plutôt. Pour qu'on puisse continuer de la lire, je pense. C'est pour ça. C'est pour qu'on puisse continuer de la lire, la carte, je pense. Ok. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a également dans les permanents? On a les Planeswalker. Là, tu peux mettre ta souris vers Vivienne, partisane des monstres. Tout à droite, voilà. Planeswalker, ça c'est super important dans le lore de Magic, parce qu'il faut savoir que Magic a un lore qui évolue à chaque extension, donc c'est tous les 3 mois. Donc 27 ans de lore, pour ceux qui sont férus un petit peu d'Heroic Fantasy. Il y a de quoi faire. Dedans, le lore est génial, il y a plein de persos vraiment, il y a des livres, enfin bref, c'est génial. C'est quand même rattrapable maintenant. Genre, il n'y a pas trop de... Ouais. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de résumés que tu peux lire. Okay. Bon, ça va quand même prendre un peu de temps, il y a 27 ans. Bien sûr, mais... 27 ans de lore. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça. On a une chaîne d'amis qui, eux, sont dédiés spécifiquement au lore. Ah ouais. Ils font des résumés de chaque extension qui vous racontent l'histoire de Magic des formats courts et concis. Et ils sont très très bons. C'est Magic, c'est chic. C'est placé, ils le méritent. Petit big, honnêtement. Mais du coup, le lore, je veux dire, il se voit que dans les descriptions de cartes. À travers le jeu, ça se voit comment?
Alors, il y avait des chapitres qui étaient postés, mais ça a souvent Ah. changé la façon dont ils parlaient du lore. Il y a aussi des Ok. cinématiques qui, maintenant, depuis environ 2 ans, sont vraiment magnifiques. Ok. N'hésitez pas à checker ça sur YouTube. Et les Planeswalkers, du coup, sont des personnages très emblématiques, puisque le monde de Magic, en gros, est composé. C'est un multivers, donc il y a plein de mondes différents, répartis un peu comme si c'était dans une galaxie. Et les Planeswalkers ont la capacité de se téléporter d'un monde à un autre. Ah, ok. D'où leur nom en fait, qui a Oh, été traversé traverseur par de plan. Arpenteur, Oui, c'est ça, traverseur on de change de plan. plan, effectivement. Ok. Voilà, c'est assez stylé et justement, ils ont des pouvoirs très puissants qui se matérialisent là, donc sur cette carte sous différents effets. Ils ont des points de vie, un petit peu comme nous, les joueurs. Ça va avoir le rôle d'être un deuxième joueur quand vous le jouez. Vous pouvez en avoir plusieurs sur le champ de bataille en même temps, d'ailleurs, des Planeswalkers. Et vous allez pouvoir utiliser un de leurs effets par tour, qui sont souvent très puissants, et ça va demander à votre adversaire de devoir vite tuer le Planeswalker. Ok. Sinon, vous pouvez juste gagner la partie en quelques tours Ouais, s'il tu reste sur le snowballes champ de très vite, bataille. quoi. Ouais, Ça exactement. fait partie des cartes les plus puissantes de Magic et c'est souvent des persos iconiques de l'univers. Voilà, donc c'est des cartes Ok. très très puissantes. Et quand tu démarres le jeu, t'as un Planeswalker direct ou... Non, il est dans ton deck, il va falloir le piocher, le trouver Non, rapidement non, mais et. ce que je Ouais. veux dire, c'est que quand je crée un compte Magic demain, j'ai déjà un Planeswalker jouable. Alors, de bas, je Parce que... crois qu'il y a un deck ou deux qui en ont, mais de toute façon, C'est tu peux possible. créer les cartes parce que le système d'économie de Magic Arena est super, enfin, c'est le plus généreux, en tout cas, de Ah ouais? Ok. tous les TCG free to play. Donc, c'est assez facile d'avoir tes premières cartes et tu peux en créer un tout de suite si tu le Alors souhaites. c'est vrai, tu fais bien de parler de ça, le jeu est free to play, et dans ce stream on va pas trop parler du soft Magic en lui-même, mais plutôt du jeu Magic, donc on va surtout jouer, Ouais. mais on va pas forcément parler du système économique, de à quoi servent les gemmes, les pièces que vous voyez là, etc. On va plutôt se concentrer sur le jeu, c'est pour ça que je préfère en parler rapidement, mais voilà. Et je vais terminer pardon, par les types de cartes. Donc il y en a deux qui font un petit peu la même chose. C'est les sorts non permanents. Donc ça fait leur effet, ça dégage. On a les rituels et les éphémères. La seule différence entre ces deux cartes, c'est qu'en fait, le rituel, tu peux le jouer que pendant ton tour. Ouais. Alors que l'éphémère, tu peux le jouer n'importe quand. Et c'est ça qui fait la richesse de Magic, entre autres. C'est que tu peux jouer pendant le tour de ton adversaire certaines cartes. Et du coup, ça crée un autre niveau de jeu, de bluff, etc., qui est super intéressant. Et souvent, d'ailleurs, c'est à ça qu'on réfléchit quand on joue. Qu'est-ce que peut faire l'adversaire pendant notre tour? Comment je dois jouer? Dans quel ordre je dois jouer quand on attaque le plus haut niveau du jeu? Alors ça, comme exemple, on a la réponse expéditive. Que tu peux, voilà, c'est un éphémère. Du coup, tu peux le jouer pendant le tour de ton adversaire pour détruire la créature engagée ciblée. Oh, c'est fort Pas ça, trop non? besoin d'expliquer. Il y a Ça a plus l'air fort, fort. comme la carte qui est juste en dessous, mais c'est un effet assez puissant. Et ensuite, en rituel, alors je ne me rappelle plus lequel on t'a mis. Est-ce que tu te J'ai rappelles, ça, Val? moi. En Ah, rituel, on a là, mis fracassement Fracassement du du ciel. ciel. Ça, c'est fort. Exactement. Ça, c'est Juste très très fort. un petit truc, Ouais. désolé, parce que je vois. Là, ça veut dire quoi le M21 à droite du nom de la carte? C'est l'extension. Ok. C'est le petit logo qui désigne l'extension Et et ça, la couleur pareil. du logo indique la rareté. Là, à Ouais, droite c'est de ça. rituel, le petit masque, pareil, c'est l'extension? C'est ça, ouais. Ok, C'est ça. d'accord. T'as le symbole et la couleur définit la rareté. Quand c'est Ok. noir, c'est une commune. Quand c'est un peu argenté, c'est ce qu'on appelle une uncommon. Ah Donc oui, là c'est c'est un commun. La système de commune. rareté un peu milieu. Et après, quand c'est jaune ou rouge, c'est rare ou mythique. Ok, donc là par exemple on a le plus bas, ensuite uncommon, ça c'est gold donc un peu plus haut, et ça c'est encore plus haut, c'est ça? C'est le plus Exactement. rare, Ok, exactement. ça marche. Et du coup, ce rituel-là, Fracassement du ciel, qui Ouais. est une carte très puissante puisqu'elle permet de détruire toutes les créatures quand tu la joues. Ok. C'est une AOE. Et non, j'ai jamais joué à Magic, je précise pour les gens qui sont sur le live, j'ai juste échangé trois cartes quand j'étais jeune au lycée, voilà. Ok. Voilà. On joue avec combien de cartes dans un deck? Alors ça dépend du format, mais la règle dans quasiment tous les formats, c'est 60 cartes minimum. Ah ouais, c'est Et on énorme. va rarement au-delà parce que plus tu as de cartes, plus tu augmentes tes chances de ne pas piocher la bonne Eh carte, oui, du bien coup. sûr. Donc Ah mais on tu essaie peux de aller plus toujours jouer loin. à 60. Mais tu peux aller plus loin. La règle exacte, c'est tant que tu n'as pas besoin d'aide extérieure pour mélanger ton deck, Ah tu peux ouais? jouer autant de cartes que tu veux. Donc si tu as des énormes mains, tu en veux 2000. C'est énorme ça. Et Ouais, j'imagine que du tu coup, fais ce il que y a tu veux. des exemples de joueurs qui jouent avec 120 cartes. Il Il y doit a y en avoir. des cas très spécifiques où tu Ouais. veux 65, 73 cartes, 80. Voilà, il y a des cas qui peuvent t'amener, mais dans la grande globalité, si tu parles d'e-sport et de compétition, on sera toujours à 60. C'est trop Parce que marrant. plus le chiffre est bas, plus tu listes la Et variance oui, et le bien facteur sûr, chance évidemment. pour trouver les cartes. Et on veut et on Mais vous faites ce que vous ne. voulez, c'est ça la richesse de Magic, vous allez voir, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ce jeu. Et en dessous de 60 cartes, c'est pas possible. Non, en dessous de Ok. 60 cartes, c'est pas possible, c'est d'autres formats qui vous permettent ça. Ok, d'accord. Sachant que dans les 60, il y a quand même beaucoup de terrain, je suppose. Exactement. En Ouais. gros, pour vulgariser, faire très rapide, vous allez avoir entre un tiers et la moitié de votre deck qui sont des terrains
qui vont permettre de jouer les cartes que vous avez dans votre jeu. Donc en fait, en termes de cartes actives, t'as 30, 40 cartes actives. 30 et 40, c'est ça. Ok. Exactement. Top. On passe vite fait à la présentation des couleurs, si ça vous va, parce que la couleur, c'est un petit peu ce qui va définir, bah, entre guillemets, les classes, les synergies que vous pouvez aller avoir dans Magic. Il y a 5 couleurs dans Magic. On a le rouge, le blanc, le noir, le vert, le bleu. Ouais. Il faut savoir que le rouge, c'est symbolisé un petit peu par l'agression, les petites créatures et les dégâts directs. Ça se voit. Donc, c'est des stratégies bien agressives. Le blanc, c'est plutôt la justice, les gains de points de vie. C'est un petit peu le paladin dans Magic. C'est moi, ça. C'est assez rigolo. C'est pour moi, ça. Le noir, c'est bah, la mort, la destruction de créatures, la perte de points de vie. On a le vert, c'est la nature, les grosses bêtes qu'on appelle des pâtés dans le jargon. Des pâtés, pourquoi? Ouais, un pâté. Oh, c'est une grosse bête. Ouais, c'est le nom. Un gros pâté. Un gros pâté, quoi. Ok, ok. Parce que c'est pas très élégant. Ouais, ok, je vois, je vois. Après, tu sors quand même du marais et tu me dis que forêt, c'est pas très élégant, je sais pas. Genre... c'est vrai. Après, chacun son point de vue. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une petite élégance, dans les cartes noires. Oui. Donc voilà, les grosses bêtes, l'accélération en mana pour le vert. Le bleu, c'est un peu la sagesse, le contrôle. Empêcher l'adversaire de jouer. Et donc on a montré quelques cartes qui sont emblématiques de ce que je viens de te raconter. Ouais. Si tu regardes la première colonne, il y a choc, c'est un dégât direct. Voilà, ouais, pour tout à fait. Un, tu peux infliger 2 blessures à c'est n'importe paf. Quelle cible. 2 pour 1, paf. Exactement. Le blanc, la justice, le gain de points de vie, et bah, il y a le petit orateur qu'on a présenté en tant que créature. Oui. C'est une petite créature qui permet de gagner des points de vie s'il y a d'autres créatures qui arrivent. Ok. Plutôt sympathique. Parfait. Pour le noir, on a la carte éliminée. Éliminé qui eh ben, tu as un anti-créature mais aussi un anti-planeswalker. Ah ouais, ça c'est trop fort. Qui fait d'elle une carte très très puissante. Après, il y a une restriction. Il faut que la créature ou le planeswalker ait un con converti de mana de 3 au moins. Et le con converti de mana, c'est un nom que vous allez voir tout le temps dans Magic. En fait, c'est le nombre de mana qu'il faut pour jouer vos cartes. Ok. C'est le prix d'une carte. Éliminé, c'est un converti de 2. Ok, bon, très bien. Ça va, c'est facile ça. Voilà. Pour la carte verte, on a pris le géant Tijarico parce qu'il est extrêmement inélégant. il permet à la fois de s'accélérer en mana et à la fois d'être très puissant en termes de statistiques. Ah, le vert, ça vous plaît pas? Ça y est, je sens qu'il y a des jugements déjà. Si, moi j'aime beaucoup le vert, mais c'est toujours rigolo de le présenter un petit peu comme ça. Ok, vas-y. Et pour la carte bleue emblématique, on a Révocation. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui fait débat, on le sait, chez ça les nouveaux joueurs. Ça plaît pas aux gens parce que contrecarrer le sort ciblé, ça veut dire que quand votre adversaire dépense de l'énergie, du mana pour jouer une carte, si vous, en réponse, vous jouez votre Révocation, bah, la carte n'est pas jouée. Oh, ah ouais. Donc, mais après, elle coûte cher quand même. Elle coûte un peu cher, évidemment. Il y a quand même plein de... Mais il y a des meilleures versions de cette carte. Et c'est ça qui... Ah oui, on a pris que des versions un peu simplettes, pour le coup. Ok, donc c'est le fait de contrecarrer un sort qui fait débat, c'est ça? Ah, complètement. Okay. Ouais, complètement. Parce que t'as la sensation de pas avoir joué. Et ouais, bien sûr, tu joues et en fait, on annule tout ce que tu fais. Mais après, c'est un peu vrai aussi avec n'importe quelle carte qui enlève une carte que tu poses instantanément, non? C'est clair. Après, t'as des créatures qui vont avoir directement un impact quand elles arrivent sur le champ de bataille. Et donc, même si tu les tues après coup, l'impact a été généré. Ce qui n'est pas le cas d'une carte qui a été contrée. Parce que je pensais à ça, par exemple, réponse expéditive. Ça te détruit une créature engagée, mais c'est parce qu'elle est déjà engagée, du coup elle a déjà fait quelque chose, du coup ça fait elle a déjà fait quelque chose. Si elle a ce qu'on appelle un effet d'arrivée en jeu que vous pouvez connaître si vous avez joué à d'autres TCG, pour le coup il y a des créatures juste par le fait d'arriver sur le champ de bataille, elles font quelque chose avant d'attaquer. Voilà, elle ne se résume pas qu'à attaquer ou défendre, pour le coup. Ok. Il y a une autre force de Magic, c'est la possibilité de mixer toutes ces couleurs et sans restriction. Voilà, chaque association de couleurs va créer d'autres synergies. Donc c'est pour ça qu'on le montre avec des cartes notamment bicolores comme je sais plus son nom, le Belliciste. Le Belliciste, voilà, typiquement on a mixé l'agression du rouge et le côté un peu sacrifice destruction. D'ailleurs du la noir carte est noire à gauche, rouge à droite, c'est marrant. Voilà, exactement. Et donc du coup voilà, on va pouvoir sacrifier une de nos petites créatures rouges pour pouvoir faire grossir cette créature noire, c'est très roleplay dans l'idée. Voilà, on associe des couleurs pour faire des choses un peu plus puissantes. Et on peut même avoir 3, 4, 5 couleurs. Et on a ce fameux Corvol qui, lui, on rajoute même une couleur verte. Et du coup, avec les effets sacrifices, on va en plus pouvoir mettre un petit marqueur, piocher une carte. Et c'est ça qui est incroyable et qui est sans fin avec Magic. C'est que tu peux vraiment faire un petit peu ta propre popote et t'amuser, quoi. Je vois qu'il y a des gens qui vous supportent dans le chat qui ont vos émotes avec tous les terrains, enfin toutes les couleurs. Je vois par exemple qui dit... Ouais, rouge, noir, bleu, supérieur à all. Ceux qui sont en désaccord sont des hérétiques. les gens se définissent un petit peu par les associations de couleurs qu'ils aiment bien, pour le coup. Moi, ça va être full blanc, je pense. Hein. Full blanc Non, je sais pas. Peut-être blanc, bleu, je sais pas. Enfin, de toute façon, j'imagine que... Blanc, bleu, c'est un peu la justice. J'imagine que c'est assez équilibré, globalement. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Okay. Très rapidement, les stratégies basiques. Il y a les stratégies agressives, gagner la partie très rapidement avec plein de petites bêtes, mais on s'essouffle très vite. C'est normal, il y a toujours un drawback, ce qu'on dit, une contrepartie.
Les decks midrange, on veut établir une domination au milieu de la partie, mais on a une stratégie très polyvalente. Et enfin, les decks contrôle, on veut contrôler le début de partie en épuisant l'adversaire, mais c'est des decks très très lents. On peut mixer aussi les stratégies, il y a aussi des stratégies combo, mais ça, C'est assez commun à tous les TCG finalement, ça reste les mêmes, le même type de stratégie en tout cas, même si on ne fait pas la même chose. C'est ça. Exact. Je vais t'expliquer le déroulé d'une partie très très brièvement, et après on va partir rosser des gens parce que là ça nous démarre. Alors... cool parce que vous allez bien pouvoir me backseat, ça va être le stream parfait. Oh ouais. Ah ouais, t'inquiète, on te dit tout. Alors le déroulé d'une partie, chaque joueur va piocher 7 cartes au début, puis décider de garder ses cartes ou pas. Okay. Si on ne les garde pas, on fait ce qu'on appelle un mulligan, on va les mélanger à notre deck et repiocher 7 autres cartes. Ah oui, bah ça je connais. Mais on doit retirer une de ces 7 cartes de notre main avant de commencer la partie pour chaque fois qu'on la mulligan. Ok. Donc des fois tu peux commencer la partie si tu as mulligan plusieurs fois avec pas beaucoup de cartes en main. Ah ouais, ça veut pas dire que pour autant que tu vas perdre la partie, c'est juste Sûr. Tu auras un petit désavantage. On pioche une carte par tour, on peut poser un terrain par tour, classico, et à partir de là, ensuite, ça va être le déroulé d'une partie classique. On peut jouer autant de sorts qu'on veut, tant qu'on a le mana nécessaire. Okay. Et on a 5 phases par tour qui s'enchaînent toujours dans le même ordre. Je vais les citer brièvement. On a la phase de début où on va dégager tous les permanents qui sont engagés. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les cartes qu'on a utilisées au tour précédent, et ben là, on va les remettre en état actif, en fait, qu'on pourra réutiliser ce tour-ci. On a l'entretien qui est une phase qui sert uniquement à des effets de début de tour. D'accord. Il y a une carte qui était par exemple au début du tour, piocher une carte, bah, c'est à ce moment-là que ça a lieu. Puis on pioche notre carte. Ensuite, on entre dans la phase principale 1. Là, c'est le moment, c'est la cour de récré. On va jouer nos sorts, notre terrain, on fait ce qu'on veut. Ensuite, si on le souhaite, on passe en phase d'attaque. On va déclarer les créatures qui vont attaquer. Grande subtilité d'ailleurs de Magic, on ne dit pas quelle créature on attaque, on dit juste quelles créatures que nous possédons vont attaquer ce tour-ci. Ah. On ne choisit pas les cibles. Ah, d'accord. Et ensuite, c'est l'adversaire qui va choisir si lui, il souhaite bloquer ou pas avec ses créatures et quelles créatures il souhaite bloquer. D'accord. Et ensuite, il y a la phase de dégâts. C'est la résolution des blessures en fonction de la force et de l'endurance de toutes les créatures. En gros, en fait, on n'attaque jamais une créature, on attaque toujours les points de vie de notre adversaire. Je vois. Et c'est le joueur qui défend qui décide de bloquer. Ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que tu peux les amener sur tes points de vie même si tu as 4 créatures. Genre tu peux te diriger sur tes points de vie si tu estimes que c'est plus stratégique pour toi ou... Ouais, exactement. Si tu estimes que tu n'as pas d'intérêt à bloquer, tu peux dire préfère prendre des points de vie. À Magic, il y a une phrase qui dit il n'y a que le dernier point de vie qui compte. Il faut le prendre en compte. Ouais, c'est-à-dire que tant que tu as un point de vie, tu n'as pas perdu aussi. Quoi. Ça, ça marche aussi pour ça. Ouais. Ouais, bah, je suis d'accord avec ça. Après la phase d'attaque, tu as la phase principale 2. C'est comme la 1, mais c'est juste après la phase d'attaque. Et ça a souvent un intérêt de jouer à ce moment-là. Parce qu'on a caché l'information à l'adversaire, on retarde au maximum. Et après, c'est la phase de fin, et c'est fini. Voilà, c'est juste la fin du tour, et on passe la main à l'adversaire. Ok. Bah, je crois qu'on est prêt pour aller sur le jeu, lancer une petite game. Alors, je te préviens, on t'a mis une Ferrari entre les mains. Ok. Voilà. C'est dit que ça va être quand même sympa. Et moi, je sais à peu près marcher sur deux pattes pour l'instant. Tu passes le permis avec une Lamborghini. Voilà, bon courage. Ok. On va jouer Tu veux voir ton deck avant de partir? On va jouer avec quel deck? Avec Monored. Monored BO. On a préféré mettre une seule couleur, une synergie bien linéaire, bien simple à comprendre. Le but, c'est d'agresser, d'aller très très vite, de descendre les points de vie de l'adversaire de 20 à 0 le plus rapidement possible. Les stratégies agressives et linéaires, c'est plutôt pas mal pour commencer le jeu. Mais il y a un truc que je viens de comprendre que je n'avais pas capté, c'est que même si on a 60 cartes, on peut avoir jusqu'à 4 fois la même. Exactement. Exact. Ah, mais ça va, moi je croyais qu'il y avait 60 cartes différentes avec du 1, non. 2 ou 3. Ah non, on essaye d'éviter au maximum la variance que le jeu fasse. Un peu tout le temps la même chose, ça c'est évidemment si on veut être compétiteur, mais il y a des formats qu'on appelle le singleton, où tu n'as le droit qu'à un seul exemplaire de tes cartes, et ça c'est un format très sympa, très rigolo, où chaque partie ne se ressemble pas. Par contre, il faut connaître le jeu. Et là on est dans le méta. Il faut bien connaître le jeu, je pense, effectivement. Donc 18 terrains, là on fait pas du bicolore, là apparemment... on est rectiligne ici. Ouais, ça va pas être si on a le temps, on t'a rajouté une couleur. Ok. Ça marche. Voilà, et pour t'expliquer comment ça a marché, le but c'est d'avoir nos cartes qui coûtent 1, tu vois, tout à gauche, en début de partie, donc au tour 1, puis ensuite une créature qui coûte 2 au tour 2. Ah oui, 2, 3, ainsi de 4, suite, 3 au tour 3, 4 6. Au tour 4. Et celle-là, en fait, sa particularité c'est qu'elle va coûter moins cher en fonction du nombre de créatures que tu possèdes qui attaquent. Ok. Donc elle peut coûter que 2. Et c'est une carte extrêmement puissante, je pense que si on a l'opportunité de la jouer, tu vas kiffer. Je vois les jugements sur le mono red dans le chat avec des gens qui disent quoi. c'est le smork. Hein. Là, on est là pour aller tout droit très vite. Ben parfait, ça me va très bien. Alors comment on joue? C'est où? Alors tu vas dans accueil. Accueil, ouais. Tout en bas à droite, du coup, derrière ta cam, il y a un gros bouton jouer. Effectivement. Attendez, regardez, je vous le prouve, mesdames et messieurs. Paf, gros bouton jouer. Et là, tu peux faire jouer.
simple. Tu sais que ça, c'est d'autres formats, je suppose. Brawl, jeu standard, match contre. Ouais, exactement. Bot. Donc, on joue pas contre un bot, on va jouer contre quelqu'un là. Ah ouais, on va jouer contre quelqu'un. Mais le pauvre gars. On va le raid. Parce que là, c'est quoi, j'ai un genre de MMR, un elo, j'ai un elo de débutant, c'est un niveau contre. T'as un elo caché, donc tu vas rencontrer quelqu'un qui a aussi peu de temps de jeu. Mais il va pas être déçu. Il va pas être forcément très content pour le coup, mais c'est pour la bonne cause. Il va découvrir à la dure, c'est important. Mais là, du coup, on est genre dans une sorte de ranked, on joue un classement en faisant ces games-là. Là, c'est non classé. Ok, bon, très bien. Encore le mode classé au début, justement, ça évite que les joueurs débutent et se fassent juste rosser. Ouais, ça va. C'est super bien fait, de façon que t'aies pas tous les formats d'un coup, tu apprennes petit à petit. Ouais, c'est ça. À la fois le jeu et à la fois comment tu peux jouer au jeu. Le singleton dont vous parliez, il est dans le soft. Ouais, il y a le Brawl par exemple, c'est un format singleton, et il y en a d'autres aussi qui sont joués uniquement en papier pour l'instant. Trop marrant. Notamment un format qui a beaucoup de hype, que les gens adorent jouer, notamment entre amis, en soirée, ouais. Vraiment ce côté un peu jeu de société ou quoi, c'est qu'on appelle le Commander Multi en fait. Ok. Le Commander Multi, c'est un format singleton qui se joue à 4 ou plus autour d'une table. Il y a de la politique parce que du coup tu peux dire non, ne m'attaque pas, attaque plutôt lui, ouais. Et je te mets bien. Parce que du coup, c'est un genre de FFA à 4 quoi. Exactement, c'est très très drôle. Tu peux même créer des formats, il y a des gens qui jouent à 5 et qui jouent en Shogun, donc avec un empereur, deux joueurs qui protègent l'empereur, il y a des trucs assez rigolos. Et tu mêles presque JDR et Magic. Ouais, complètement. D'accord, ouais, c'est ouf. Ouais, ok, donc on peut ne pas jouer forcément en 1v1, putain ça c'est vraiment cool par contre. Hein. Hop, elle est de retour la cam, salut à tous. Il y a une grosse communauté qui est très très fan de multi et de ce côté kitchen table comme on l'appelle. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est très très cool, nous on pratique tout avec PL. Parce que c'est vraiment fun d'explorer plusieurs horizons quoi. Oh c'est pas c'est parti, on a une game. Il arrive. On a une game. Salut Christian. On va jouer contre Christian. Donc, désolé Christian. Alors. Désolé Christian. Tu là je vous écoute. Victime. Alors qu'est-ce que t'en penses Zera de cette main? Je suis votre main. Alors est-ce qu'il y a assez de terrain? Alors on sait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de terrain. Donc est-ce que 3 ça t'a l'air ok? Alors il faut que je vois si j'ai des cartes qui coûtent 1. Là, j'ai deux cartes qui coûtent 1. Celle-là, elle coûte 0. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte? C'est un terrain spécial. Ok, un terrain spécial. Peut-être qu'il faudrait enlever ces deux-là qui sont un peu chers, ou peut-être pas, je sais pas. Si on veut y aller à fond. Ok, on peut la garder. Ah oui, parce que j'ai 3 terrains et ça coûte 3, donc ça va en fait. Exact. Ok, donc je garde les 7. Parce que t'as. Ouais. Allez, je garde les 7. Donc là, tu vas pas déclarer de mulligan, tu vas juste garder ta main. Si jamais t'avais décidé de jeter ta main, t'aurais repioché 7. Okay. Et t'aurais enlevé une carte chaque fois que tu déclares un mulligan. Ça évite du coup de jouer des non-games parce qu'il faut se rendre compte qu'on gagne pas un terrain par tour, il faut les piocher. Et ouais. Donc ça peut arriver qu'à Magic, si vous avez mal construit votre deck, que vous ne piochez pas assez de terrain pour jouer vos cartes. Ça arrive quand même rarement, si vous faites un peu attention, vous avez les bons comptes. Alors, qui joue là? C'est lui? C'est moi? On en est où là? Alors là, il est en train de décider si lui garde ses 7 cartes ou pas. Donc tu vois, ces cartes qui apparaissent disparaissent, ça veut dire qu'il les a jetées, il a fait un mulligan. Et tu attends qu'il ait choisi du coup de garder enfin des cartes pour jouer pour faire une partie. Ok. Alors je vois qu'avec elle, je peux afficher les phases de jeu. C'est en bas à droite. Parce que tu peux. Ouais. Le jeu va passer naturellement quand tu ne peux rien faire. Mais c'est important parfois de mettre des pauses à certains endroits, justement pour jouer les fameuses éphémères dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas les jouer n'importe quand, il faut les jouer au moment clé. Ouais. À haut niveau, il y a une dynamique de bluff, c'est-à-dire que si t'as pas d'éphémère, à jouer, le soft va passer naturellement tes phases. Mais si tu veux faire croire à ton adversaire que t'as quelque chose, tu peux mettre des stops. Ok, alors là c'est à nous, je crois. Tu poses un terrain. Alors est-ce que je pose mon terrain spécial? Non, il faut poser une montagne d'abord, parce que le terrain spécial dit qu'il arrive dégagé seulement si tu possèdes déjà une montagne. Et là, tu vas jouer direct. Il faut jouer la créature d'abord, parce que ça mettra plus de dégâts à long terme. Ouais. Les créatures, elles ont tout un problème, elles sont toutes malades sur Magic, c'est-à-dire qu'elles ont le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas attaquer le tour où elles arrivent. Et oui, normal. Et voilà. Et là, ça passe ton tour, parce que le jeu a checké et tu ne pouvais rien faire d'autre. Alors, tu as utilisé ton mana. Juste lire, donc à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le Cerbère gagne plus 2-2 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, ok. Ouais. Donc là, on va reposer un terrain, je suppose. Là, tu peux poser un terrain, vas-y, et on va juste le bourrer. Toujours tu pas le spécial. Tu peux poser le spécial si tu veux. Alors c'est quoi ça c'est un terrain qui a un effet spécial. Tu pourras buffer toutes tes créatures en payant le coût indiqué. Donc c'est 3 mana et il faut l'engager. Donc en gros ça coûte 4 mana. Ok, mais je vais pas du coup attendre de peut-être poser une autre créature avant de mettre celui-là. Bah en fait c'est tu l'utilises quand tu veux celui-là. Il faut juste que t'aies le mana. Mais là tu l'as pas encore. Ah oui, d'accord. Donc lui va gagner plus de 2. Là tu vas jouer ton batailleur avant de passer en phase d'attaque. Parce que à l'inverse d'autres TCG, tu choisis pas d'attaquer plusieurs fois dans le tour. T'as juste une phase d'attaque et si tu la passes, tu peux plus le faire. Normal.
Attends, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu. Voilà, on va se mettre là. Voilà, tranquille. Alors, pardon, donc oui, on fait suivant pour la phase là, d'attaque, c'est ça? Tu fais suivant, exactement, suivant, ça passe à la phase d'après naturellement. Ça te demande avec quoi tu attaques, donc tu fais attaquer avec tout. Ouais, normal. Il n'y a qu'une seule créature qui peut attaquer, mais c'est bon quand même. Tu valides un attaquant. Ok, je valide lui. Ah non! Ah oui, non, non c'est le même bouton, attaquant. En fait. Parce que lui, il attend mal d'invocation, c'est ça? On est d'accord? Ouais, exactement. Ok, donc là, hop. Bon, tu vois, sur les premiers tours, on va te dire un peu tout, mais après. Et là, il est engagé, c'est ça? C'est ce que vous m'expliquez. Là, il est engagé, voilà. Et donc, on voit que c'est pas 90. Ouais, mais en format papier, on se mettrait à 90. Exact. C'est parce que c'est plus lisible sur le soft d'avoir fait ce 45. Et d'ailleurs, au tout début de Magic Arena, ils engageaient en 90 et c'était pas très joli. Ah ouais, parce que les débutants, forcément, ils avaient du mal en plus à relire la carte, j'imagine. Suivant, attendez, j'en suis où là? Suivant. Arrêt avant les bloqueurs, ouais, nickel. Là, en fait, il décide s'il peut bloquer, mais il a rien. Du coup, ça fait les dégâts directs et tu fais terminer le tour. Ah bah, effectivement, Nounours 82, tous les autres TCG que vous connaissez découlent de Magic. Hein. C'est pour faire des analogies parce que c'est simple pour tout le monde de comprendre. Mais évidemment, c'est MTG le père de tous les TCG. MTG. Et là, tu vois, ouais. Là, c'est le tour de ton adversaire. Sauf que ça te demande quand même si tu veux faire quelque chose parce que tu as un éphémère dans la main. Ah oui, je peux mais faire. Là, je pourrais faire le choc. Tu pourrais lui mettre 2 points de dégâts, mais c'est plus important de le garder pour plus tard. On sait jamais. Donc que je on va faire passer pour l'instant. Ok. Juste, je vois qu'il n'y a pas de temps spéciaux. On a du temps pour jouer certains tours Ouais, il y a du temps et il n'est pas affiché, donc ça te permet de ne pas être stressé, entre guillemets, par le temps. D'accord. Mais quand tu commences à plus avoir de temps, il y a une cordelette magique qui s'affiche au milieu. La corde, bien sûr. T'as un temps pour jouer ton tour et t'as aussi un temps pour jouer ta partie, mais ça, c'est qu'en mode classé. Ah ouais. Vous disposez chacun de 30 minutes. Ah, comme un blitz aux échecs, quoi. Ouais, c'est exactement. Ah oui, là, j'ai la corde, ça y est. Et si jamais tu time out, c'est-à-dire que tu n'as plus de temps, tu perds la partie. Ok, je vois. Tu peux faire mon tour. Alors désolé, là je suis en train d'aller à la corde, mais c'est pourquoi on explique et tout, le pauvre type. Oh, incroyable. Alors là, tu vas pouvoir reposer du coup une montagne. On a top decké. On a top decké, ouais. Pas pour ce tour-ci, pour le tour d'après. Tu vas pouvoir poser une de tes deux Anax. Ok. Anax, créature très puissante. Sa force, elle est égale au nombre de petits symboles de mana rouge dans les créatures que tu as. Ah. Enfin, dans les permanents que tu as. Donc là, tu vois, il est 4-3. Très puissant. Et plus, même les siens comptent. Les siens comptent dans même le tas. Même les siens comptent, ouais. Ah ouais, ok. Et en plus, autre effet, c'est que quand une de tes créatures meurt, tu vas créer un petit jeton. Donc c'est une créature qui n'est pas une carte. Mm-hmm. Là, tu peux attaquer avec tout. Vas-y, je t'en prie, bourre. J'y vais. Et tu vas du coup avoir une 1-1 à chaque fois qu'une de tes créatures meurt. Donc c'est très puissant parce que la force, du coup, enfin la faiblesse des decks rouges comme ça, c'est de perdre ses créatures, de ne plus pouvoir attaquer. Et lui, en plus de bourrer l'adversaire comme un sagouin. Bah, il te permet d'avoir encore d'autres créatures quand les tiennes meurent. Ah, il te donne de la résilience, ça c'est très très puissant. Oh là, alors là, champagne. Tu vas kiffer. Tu vas nous attaquer. Tu vois, donc ta taille braise, elle coûte 6. Ouais. Mais là, tu vas faire suivant, attaquer avec tout. Ok. Hop, 3 attaquants. Et là, ne passe pas à suivant tout de suite. Enfin, s'il passe à suivant, pardon. Mais ensuite, il y aura un petit tricks. Là, il décide s'il bloque ou pas. On va lire ce que fait Tybrez juste après, parce qu'il y a pas mal de textes, mais c'est pas pour rien. Je pense qu'il aura quitté avant. il aura quitté la game avant. Là, tu vas jouer ta Tybrez, et on va prendre 2 secondes pour lire ce qu'elle fait. Alors, Flash, ce sort coûte 1 de mana, donc de moins à lancer pour chaque créature attaquante que vous contrôlez, évidemment. Ouais. Et donc, elle coûte plus que 3 que j'ai. Quand le Tybrez arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature équipée gagne +1/+1 et a la double initiative et le piétinement. Ah ouais, d'accord, c'est alors un sacré buff. On va vous expliquer tout ça. Ouais, alors vas-y, joue là. Flash, ce qui est intéressant, c'est que tu peux la jouer à n'importe quel moment du tour. Ouais. Ah. C'est pour ça que tu peux la jouer en phase d'attaque. Et à qui je vais Anax. Anax, bah oui, bien sûr. Parce que c'est la plus forte. La double initiative, ça te permet de mettre 2 fois tes dégâts. Oh non. Et là, il est mort. Oh non, mais le pauvre. T'es le pauvre. Mais what the fuck? Ah oui, du coup, j'ai fait une double attaque dans le même tour. Oh la vache! Exactement. La double initiative, ça permet de mettre 2 fois tes dégâts, donc de doubler tes dégâts. Et le piétinement, ça permet de mettre tous les dégâts de ta créature. Enfin, en gros, si ta créature est bloquée mais qu'elle piétine, normalement, quand une créature est bloquée, elle n'inflige aucun dégât au joueur. Et tu vas juste tuer la créature qui te bloque. Avec le piétinement, tu mets juste les blessures qui suffisent à tuer le bloqueur et tous les restes, tout le reste, l'excédent. En fait, l'excédent, tu piétines la créature et tu le mets dans la tête du joueur. C'est incroyable. Ok, c'est ouf. Ah ouais, c'était une bonne première démonstration, on va dire. C'est pas mal, hein. C'était scripté. Ouais, j'imagine. Hein. Merci Christian d'avoir fait le figurant. C'est bon. Merci la vidéo pour enlever la vidéo. C'est merci bon. La Alors vidéo. Du coup, est-ce que tu veux relancer avec le même deck ou est-ce que tu veux qu'on rajoute une couleur? Rajoutons une couleur, je pense. Parce que rajoutons une couleur. Là, on a vu que j'étais imbattable avec ce deck. Je pense que je l'ai prouvé, tu vois. C'est peut-être un peu trop fort. Voilà, on va rajouter une couleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Prendre le Gru Lagro.
Gruul. Gruulagro, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même synergie très agressive à base rouge, où on veut essayer de tuer rapidement l'adversaire. Il y a des cartes communes aux deux decks, donc tu pourras reconnaître certaines cartes. Sauf qu'on a rajouté du vert pour avoir un petit peu plus de ce qu'on appelle de ressources, de résilience, être capable d'aller un peu plus loin dans les games. Okay. Parce que là, la stratégie que tu as mis en place, effectivement, elle va très très vite et elle tue très vite. Oui, bien sûr. Mais si ton adversaire il avait joué des cartes, ça serait pas passé comme ça. Oui, parce que et là, il a surtout beaucoup bossé de terrain. Ouais, il a pas fait grand chose. On l'a tué au tour 4, ce qui est quand même assez rapide pour Ouais, ça paraît beaucoup. Il a pas eu d'interaction avec toi, il a pas tué tes créatures. Voilà. M'a fait et là, en fait, de rajouter ce vert-là. Ça va te donner un petit peu plus de synergie pour le coup. Mmh. Ouais, d'ailleurs, les émotes, on a un pack d'émotes de base, donc c'est le bonjour, bien joué, nice, tout ça. Et en plus, avec des espèces de passes de combat qu'on retrouve sur plein de jeux, ça s'appelle le pass de maîtrise sur Magic, tu vas débloquer des petites émotes et maintenant ils ont rajouté une espèce de sticker. C'est un petit bonhomme qui va faire une émote et il va y en avoir des nouvelles en fonction des nouveaux passes qui sortent. Et en plus, ça te débloque aussi un pet que tu as sur la gauche. Qui est une petite créature, suivant le pet que tu as, bah, il est différent, et tu peux un petit peu interagir avec lui en attendant que ton adversaire réfléchisse. Alors, est-ce qu'il y a la fameuse émote « Tu as eu de la chance » Il n'y a pas l'émote qu'on veut toujours dans les TCG, c'est dire à l'autre « Salopard, tu as eu de la chance », pour pas dire autre chose, bien sûr. Chatard. Non, mais il y a l'émote « Oups ». Ah, « Oups ». Et elle est pas mal du tout, celle-là. Ok. Alors ouf, plein de nouvelles cartes. Ah tiens, pourquoi alors là, on arrive dans les nouvelles mécaniques de la dernière extension, c'est-à-dire que tu as des cartes qui sont à la fois des cartes et des terrains. Ah. Ce sont des cartes modales. Ok. Ce qui te permet du coup d'avoir moins de terrains dans ton jeu genre et laquelle plus de cartes actives. Celle-là par exemple genre celle-là typiquement. Ouais, c'est ça. En fait, à part la bête frappée d'amour et la montagne, toutes sont des cartes qui ont deux côtés. Ah oui, deux côtés. C'est pour ça que ça s'est retourné au début. Ah oui, d'accord. Exact. Et alors. Comment ça se traduit dans le jeu carton? Elle a vraiment deux côtés? Elle est vraiment imprimée des deux côtés, ouais. Oh, c'est trop bien. Donc, mais du coup, tu peux voir ce que l'adversaire a. C'est dommage, ça, non? Non, parce que tu joues avec des plastiques. Mais ouais, tu protèges tes cartes. Ah, d'accord. Ok. C'est pour ça. Non, c'est pas compliqué, Jacques Seller. Ça peut paraître compliqué, mais dans les faits, c'est très simple. Ça te donne juste plus d'options. Alors, effectivement, quand tu rajoutes de la décision, ça rajoute de la profondeur au jeu. Mais là, pour le coup, ça réduit la variance, ça réduit les non-games à Magic, le fait de pas trouver tes terrains, parce que tes cartes actives sont aussi des terrains. Donc, c'est un côté. Ça évite un peu les feels bad que tu peux avoir. C'est deux en un et c'est très très cool. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Avec on va garder cette main. Ouais. On va la garder cette main. Ouais. Allez. Oh, c'est beau le terrain et tout. Oh, c'est très beau. Alors, là, évidemment, tu vois, j'en attendais pas moins de Magic, mais c'est vraiment hyper beau. Ouais. Ah, on a mis tous les cosmétiques. Hein. On s'est fait plaisir. Ah, avec mais vous un avez raison. Du coup, là, tu n'as pas de mana vert à proprement parler. Sauf que tu vois, ton passage de Simrush, il peut être rouge. Et oui, ou vert, bien sûr. Et tu vas justement le jouer maintenant en choisissant vert. Comment je choisis le vert? Est-ce que je choisis tu vas voir quand tu. Il va le jouer d'abord. Ah oui, et là, je fais ça. Tu choisis le vert. Et là, tu as une de tes cartes qui est la bête frappée d'amour, qui est une carte qui fait deux en un également. Soit tu la joues comme une créature, soit tu la joues pour le petit effet à gauche, on dirait un espèce de petit livre. Ah ouais. Et du coup, c'est un sort, c'est un rituel. Donc là, tu peux jouer, vas-y, joue là comme ça. Tu choisis la page de gauche. C'est si beau. Ok, crée un jeton de créature 1-1 blanche humain. C'est humain. Ça. Et là, en plus, l'avantage, c'est qu'elle part en exil, elle n'est pas vraiment dans ta main, elle est dans une autre zone. Ok. Et tu pourras la jouer comme une créature normale. D'accord. Passage merveilleux, c'est rare ça. Passage merveilleux, c'est un bon terrain qui permet d'aller chercher n'importe quel terrain de base dans ton deck. Alors là je suis en quelle phase? Je suis encore en... Ah oui, je suis avant l'attaque. Là, t'es sur ta première phase 1, t'es pas encore en phase d'attaque. Tu vois, t'as les petites phases qui sont découpées juste en dessous de ta caméra. Je vois. Quand t'as la carte qui brille, c'est que t'es sur ta première phase principale. Là, on va jouer un mammouth en tant que terrain, puisqu'on n'a pas grand chose à faire ce tour-ci. Hop, terrain, donc ici. Voilà, c'est ça. Mais tu vas voir, la polyvalence, ça a un coût. Ce terrain-là, il arrive directement engagé. Donc tu peux pas l'utiliser ce tour-ci. Et oui, bien sûr. Hein. J'attaque, évidemment. Ouais, tu vas attaquer, ouais. Parce qu'il n'a rien. Hop là. Très important, le First Blood. toujours. Mais par contre, ça lui a pas enlevé l'ascendant psychologique. Ça lui a pas enlevé d'HP. Parce qu'il avait gagné un point de vie avec son terrain. Lui, il a joué un terrain qui arrive forcément engagé, mais qui fait deux couleurs. Ah, un terrain, ouais, rouge-vert, effectivement. Stylé, putain. C'est trop beau. Tout on est va jouer beau. La petite montagne, nous, de notre côté. Ouais, exactement. La petite montagne, donc ceci. Terrain de base, montagne rouge, bien sûr. Alors là, tu vas, avant de jouer n'importe laquelle de tes cartes, on peut retarder un petit peu l'information au niveau de ton adversaire. Juste proposer une phase d'attaque. Il faut savoir que ton petit 1-1, si jamais il décide de l'échanger contre sa cariatide, ça nous va. Parce que sa créature à lui, c'est une carte qui va lui permettre de s'accélérer un petit peu. Il y a un effet, ouais. D'accord. Alors que nous, elle n'a pas d'effet. Donc vas-y, tu peux attaquer avec ta 1-1 en...
Donc là, on joue rien. Enfin, on va pas jouer le mammouth ou la bête frappée d'amour. Tu pourras la jouer en deuxième phase principale. Ok. Tu fais de la rétention d'informations. Ok, ça marche. Et là, il choisit. Si tu la joues d'abord... Là, il choisit qui prend l'attaque, c'est ça? C'est ça. Ouais, il choisit de bloquer ou pas. Ouais, il okay. a pas bloqué, c'est il normal. A pas bloqué. Et là, je pense que tu peux jouer le mammouth, ouais. Mammouth, mais pas en terrain, en mammouth. Non, pas en terrain. Mammouth, ouais, en mammouth. Mammouth en mammouth. Le mammouth en mammouth. 3-3. Golden mammouth d'ailleurs, hein. Il est brillant ce mammouth. Et il a un effet qui est exactement le même que ta créature de la game précédente, ouais, je vois ça. Le Cerbère. Ah, du coup, c'est quand même très fort. Moi, je trouve ça pas mal. Il va passer à 5-5, quoi. Il peut passer à 5-5, mais que oh là jusqu'à 5-3. Mais il joue, il lui, hein. Plus. C'est pas Christian en face. Ah, hein. Il joue, ouais. C'est plus Christian là, ouais. Ok, alors. Voyons. Moi, ce que je vous propose ici. C'est de jouer ton passage merveilleux et tu vas voir, c'est un petit effet. En fait, ce passage merveilleux, il a plein d'effets. Déjà, il peut fixer ta couleur parce qu'avec ce terrain-là, tu peux aller chercher n'importe quel autre terrain dans ton deck qui est un terrain de base, c'est-à-dire forêt, plaine, montagne. Donc, ça veut dire que tu as un terrain qui arrive en jeu. Donc là, tu peux cliquer sur ce terrain-là, tu vas voir. Je te laisse cliquer. Ah oui, là ? Ouais. C'est ça. En le sacrifiant, tu vas chercher n'importe quel terrain dans ton jeu. D'accord. Vas-y. Tu vas prendre une montagne, tu vas voir le deck va s'ouvrir et ça va te proposer. Ah ouais. Là, tu vas un peu sur la gauche. Ok. Et du coup, ça ça fait double effet du mammouth. Exactement. Eh ouais, bien sûr. Et là, tu vas utiliser un sort qui est l'impact de fracas-crâne. Ah, qui a deux faces encore. Qui a deux faces encore une fois. Et là, on va utiliser pour le la rituel qu'il est. Exact, face de gauche. Ça va te demander de choisir X. Donc, c'est la quantité de mana que tu veux payer pour l'activer. Donc là, on va choisir 2. Ah ouais, d'accord, payer 2. Exact. Ça vous rappellera peut-être vos cours de maths. Ah. Et là, tu vas cibler la patrouille, ouais, la grosse du bois sauvage au milieu. Où je me grouille parce tu que... Confirmer. J'ai la corde. Tu reconfirmes. Paiement auto. Là, on vous montre des decks qui sont très performants. J'étais avec à la corde. Beaucoup de mécaniques. Mais ça fait plaisir aussi voilà, de pouvoir un peu se genre de on voit, on fait pas juste du attaque 1. C'est vrai qu'on joue un petit peu avec tout, c'est pas mal. Alors là, s'il bloque pas, il va prendre une sauce. Tout de suite. Ah ouais, il va pas être content. De toute façon, même s'il bloque, là, il va prendre la sauce. C'est ça. En fait, s'il bloque, il va éponger les points, mais il va perdre sa créature. Il a choisi la sauce. Mais tant qu'il n'a pas... Veux... Tant qu'il n'est pas à 0 HP, on rappelle, rien n'est gagné. C'est ça. Exact. Oula. Là, il a mis une grosse bête. Fracasseur de rempart. 4 terrains, soit vert, soit rouge. Exact. Ah, deuxième... Cariatide, ok, ok. Ne peut pas être bloqué par des chevaliers ou des murs. Ok, ça devrait aller pour moi. Ça tombe bien, on j'en en a ai pas. Pas. J'avais pas l'air d'être très chevalier ou constructeur de murs dans ce deck. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que t'as le droit de rejouer à un terrain, donc notamment ta forêt. Mm-hmm. Ce qui va du coup rendre ton mammouth 5-5. Qu'est-ce qu'on fait la PL à ton avis? Est-ce qu'on propose plutôt un impact fracas-crâne ou est-ce qu'on rejoue un mammouth? Ouais, j'ai l'impression qu'on peut attaquer déjà. Okay. Juste donc sans, là, tu vas sans voir, il va falloir attaquer. On verra après pour l'impact, ouais, je pense. Du coup, ouais. En fait, on va prendre l'information de comment il souhaite bloquer. Donc là, tu attaques qu'avec le mammouth, pas avec la 1-1. Ah, parce que sinon, il peut juste la bloquer avec sa 5-5 et tu la perds. Ah oui, exact. Alors que là, au moins, s'il bloque, on sait qu'on détruira le fracasseur. Quoi. C'est voilà. Ça. Et tu peux aussi bloquer une seule créature avec plusieurs des tiennes dans Magic. Ah ouais, d'accord. Ah tu oui, peux si, mettre j'ai, 30 si j'ai 5, sur une. Si j'ai 5-1-1, elles peuvent toutes bloquer la 5. Exact. Ah, c'est pas mal ça. Et là, du coup, donc, il a trade. Faire un échange. Il a trade, exactement. Ouais. Sauf qu'on voit qu'on a plus de cartes en main que lui. Donc, ça nous met, nous, dans une meilleure position. Bien joué. Je pense que là, le mieux, c'est de jouer le mammouth. Moi, je rejouerai aussi le mammouth. Pas en terrain, évidemment. En mammouth. Non, de toute façon, le jeu ne te le permet pas parce que tu peux jouer qu'un seul terrain par tour. Ah oui, et oui, là, bah oui, effectivement. Pourquoi ça me dit que je peux faire des choses avec mes montagnes là? Pourquoi elles sont parce en que tu as un sort qui coûte 2, sauf que comme tu n'as que 2, si tu le payes à 2, ça fera x égale 0 et ça ne fera rien du coup. Il te propose de jeter ta carte. D'accord, si tu le souhaites. Je vois. Je comprends. Bah là, il est dégoûté. Il a éliminé le mammouth, il y en a un autre qui sort, il est deg. Ouais. Enfin, c'est mais sûr. Tu vois, typiquement, son jeu là, il aurait été capable peut-être de temporiser ce qu'on fait en mono rouge par exemple. Ouais, ok. Parce qu'il a, il avait quand même pas mal de créatures, il aurait pu bloquer, il avait quand même des cartes assez imposantes en termes de statistiques. Ouais. Et c'est plutôt pas mal que nous, on puisse avoir ce vert qui vienne. Ouais. Apporter des pâtés, nous aussi. Là, il va essayer de te trixer. On le voit venir, le Hétaru. Qu'est-ce qui se passe? Il veut attaquer avec une 1-1 alors qu'il y a une 3-3. Sauf que la 1-1, elle a un effet, c'est que s'il paye 4, elle gagne +3/+3. Du coup, elle tue le mammouth. Donc nous, on va juste prendre, parce que c'est que le dernier point de vie qui compte. Parce que de toute façon, je prendrai 4, il faut pas se faire bait, quoi.
Voilà. C'est ça. Donc, parce que là, tu, ouais, ah oui, là, si je mettais le bloc, il paye, il tue mon mammouth gratos, quoi. C'est ouais. ça. Oh la vache. Ouais, j'imagine qu'au début, tu te fais beaucoup avoir par ce genre de truc. c'est probable. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un truc qui est super important à. Et oui, il a payé. Est... Oh là là. Eh oui. Mais du coup, tu vois, il fait rien de son tour. Va faire une émote là. Oh, ça tu connais. Je vais mettre bien joué. Le taille braise. J'ai mis bien joué. Tu vas pouvoir utiliser ton impact de fracasse crâne, mais comme un terrain cette fois-ci. Ok. Alors, impact de fracasse crâne comme un terrain. On y va. Donc, c'est droite. Tac, à droite, exact. Et là, tu vas avoir une autre option, c'est de payer 3 points de vie ou pas pour qu'elle arrive dégagée. Et t'en auras pas besoin ce tour-ci. Donc tu fais arriver sur champ de bataille engagé. Ok, direct. Mais disons que si jamais t'as des PV à payer, tu peux faire que cette carte arrive en jeu dégagé pour jouer tes cartes. Ouais, et ouais. là, on est bien. Ok. Cool. Là, je crois qu'on fait juste une grosse phase d'attaque. Mais là, j'allais dire, il n'y a pas moyen de jouer le tie-braise à ce truc-là. Et à ce tour-là. Si, on va pouvoir le jouer. Ah, tu si, mais dans voir. La deuxième. 1, 2, 3. En fait, 4, pendant 5, la phase d'attaque. 6. Tiebreath, c'est une carte qui est un peu complexe parce que du fait qu'elle est le flash, tu peux la jouer n'importe quel moment. En et fait, oui, c'est oui, comme exact. Si c'était un éphémère. Tu peux la jouer à n'importe quel moment de la partie. Et comme tu vas passer en phase d'attaque avec deux créatures, elle va coûter 4. Là, on n'attaque pas avec l'humain, non? Si. Ah, si, quand même. Ok. Ouais. Ah oui, et là, on peut la jouer. Là. Ah, c'est incroyable. Et là, ouais. tu fais suivant avant de la jouer parce qu'il faut voir s'il bloque ou pas. Ah ouais. oui. Ouais. Attends de voir qui va bloquer. Direct comme un gros Yonkli. Et tu vois, il va... Si tu l'as joué direct dans sa situation, et il était quand même mort. Mais on va quand même bien jouer. Mais bon, attendons quand même. Et là, on la joue maintenant. Voilà. Et là, du coup, il va prendre 12 dégâts, le pauvre. Il est dead là. Ouais, voilà, j'allais dire, c'est foutu là. Ouais, c'est foutu là. Et ouais, c'est foutu, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que là, il voit que c'est joué. Il peut avoir des effets, cela dit. Du coup, il doit décider de ce qu'il fait avec ça. Ah, son effet, c'est de partir. Il a décidé de partir avant que tu le tues. Oh non, c'est pas sympa. Laissez-vous finir. Bon, après, très honnêtement, là c'est un petit peu asymétrique en termes de puissance de deck. C'est vrai que toi, vraiment, pour le coup, t'as une Ferrari. Eux, ils jouent un petit peu avec ce qu'ils ont au début du jeu. Ah, ils sont en Fiat Punto là, les mecs. Hein. C'est toujours rigolo de. Il a quand même compris qu'il allait mourir. Oui, après, il a fait les maths. Il a quitté avant la fin. C'était la game de c'est trop. Ça, c'est 11 moins 12, moins 1, j'ai perdu. Moi, je te propose d'en refaire une avec ce deck là si ça te va. Allez, vas-y, go. On a le temps, je pense. Bah, vu que la game dure 5 minutes, puisqu'on ouais, les ça va très très vite, je pense que c'est la dernière, on ça paraît bien. Et après, on t'expliquera une dynamique supplémentaire du jeu. La troisième richesse du jeu. La troisième richesse du jeu. Vas-y, je peux peut-être commencer à en toucher un mot. C'est que là, en fait, on joue en BO1, c'est-à-dire que tu fais une seule partie. Ah, on peut jouer en BO3 Exactement. Ah, oh, ça, c'est le trop but, bien. Le but de ce jeu-là, c'est qu'en fait, au-delà de tes 60 cartes, tu as un side, une réserve de 15 cartes, qui sont des cartes qui vont s'adapter au deck que tu es susceptible de rencontrer, ce qu'on appelle le metagame, l'environnement du jeu. Et en fait, une vraie game de Magic, en tout cas au niveau compétitif, ça se joue en BO3, c'est-à-dire que c'est celui qui remporte deux manches sur les trois. Et alors, en première manche, tu es obligé de jouer avec ton deck initial, mais en manche 2 et en manche 3, tu modifies ton deck avec ces 15 cartes. Ah ouais, ça c'est trop bien, parce que j'allais dire justement, sinon si tu joues le même deck et tout. Ah ouais, donc c'est top. Et en compétitif, c'est comme ça, donc vous disiez. C'est tout le temps comme ça, et ça permet aussi à celui qui ne commence pas la partie, qui est un petit inconvénient, de commencer la partie le tour d'après, la game d'après s'il a perdu. Ok, trop cool. Après, j'imagine qu'effectivement, quand tu joues Pepper Chill pas très compétitif, tu fais quasiment que du BO1, non? Parce que t'as envie de jouer avec ton deck que t'as fait. Exactement, il y a tous les profils sur Magic Arena. Il y a autant, il y a du ladder classé en BO1. On a tendance à dire que le Magic compétitif, c'est en BO3 parce que c'est là où il y a les plus grandes compétitions. Mais Magic Arena te propose de jouer en compétitif même en BO1. Ok. Ce qui propose du coup d'autres versions. Tu dois avoir des decks qui sont un peu mieux préparés à l'ensemble des decks dès tes 60 cartes. Ok. Nouvel adversaire. Oh, tiens, il y a son rond. Oh, Tiebreath. Ah bah, c'est gardé. Ah bah, on a Tiebreath. Ah ouais, parce que c'est genre... Si t'as un Tiebreath au début, tu gardes, c'est ça ton... Non, pas nécessairement, mais ta main est bonne au-delà de ça. Ouais. Ok. Je garde. Je joue vite, comme ça, il sait que ça plaisante pas. Oh, il y a un dos de cartes personnalisé ici en face. Ah, lui, il rigole pas, du coup. Parce que ce dos de cartes-là, tu l'as pas facilement. Donc c'est je te dis qu'il rigole pas. On va le massacrer. C'est un joueur. Peut-être que là, ton elo, il est monté très haut. On va le massacrer. On va le massacrer. Je compte sur vous, hein. Impossible de lose. Alors là, il va falloir probablement jouer ton impact fracasse crâne, mais en jeu engagé. Ah, parce qu'on a rien à jouer. Bah non, tu peux jouer Betrop et l'amour. Tu penses que c'est bien? Ouais, tu peux annuler. Tu peux annuler alors, d'abord en fait. Parce que tu peux jouer comme tout à l'heure. On va jouer l'aventure. En livre. Ouais, il faut que tu joues ta forêt juste avant. C'est moi qui t'ai. Ah merde, pardon, forêt. Je t'ai mis confus. Et bête frappée d'amour.
Ça tombait d'en face. Il non, sait, trop de charisme là. Ça dégoûte. Bah, il a vu le pseudo après. Ah, ouais, je comprends. Il s'est dit, c'est impossible de gagner, je me casse. La classique. Ah, il pouvait le tenter. Ça, c'est quand le code streamer. Hein. Faut le rentrer dans les logs du jeu et après, t'es bien. Ah, il aurait pu le tenter quand même. Franchement, je trouve ça dégoûte vraiment. C'est plutôt rare pour le coup. Hein. Ah ouais? Okay. Ouais, que les gens concèdent comme ça sans avoir au moins essayé de jouer la game, je sais pas trop ce qui s'est passé. À mon avis, sa mère l'a appelé, il devait aller manger. Une ouais, déco, c'est l'eau des pattes qui boue quoi. Une peau des pattes qui boue. Quelqu'un a dû tomber dans l'escalier, il a dû se précipiter très vite. Très vite, très vite. Et du coup, on a 100% de win rate et le Hello va encore monter contre quelqu'un qui avait un bon dos de cartes. Ce sera peut-être encore pire du coup. Après, on dit ça, on rigole, mais il n'y a pas d'Hello en non classé donc tu. Oui, tu oui, c'est ça. Ou alors il s'est dit, mon adversaire a du déco, c'est trop long, il joue pas, donc au revoir. Peut-être que vu que j'ai enclenché la corde tour 1, il s'est dit, oh non, j'ai pas envie de jouer contre un gars qui va corde à tous les tours, je me casse. C'est probablement la vraie raison, mais tant pis pour lui. Désolé, je débute. Je débute. Il a loupé un bon moment où il aurait pris une tie-braise voilà. Dans il le coin de la bien perdu, ouais. Et en plus, il aurait pu revoir cette game, savoir pourquoi il a perdu, analyser tout ça. C'est vrai. Dommage, quoi. Allez. Oula, ah, c'est l'agression directe. Ça c'est quoi ces avatars là? Tu peux les changer dans ton profil ou quoi? Tu peux tout changer. Ouais, pareil. Okay. Bon, alors, qu'est-ce regarder cette main. Oh là, une double carte. Ah, regardez, en plus ça bouge. Regardez. L'avantage de ce deck là, c'est-à-dire d'avoir plein de cartes qui sont modales, qui peuvent à la fois être des landes ou des cartes actives, c'est que tu mulligan assez rarement. Pour et le oui. C'est, pourquoi il y a ça à droite là? Ou alors c'était depuis tout à l'heure et j'avais jamais vu. Ah, ça c'est justement les pets que je disais tout à l'heure et celui de ton adversaire là. Ok. Ouais, tu peux cliquer dessus, ça fait des animations et toi quand tu en as un, tu peux aussi cliquer dessus et c'est rigolo. Okay. Là je crois qu'on joue le mammouth, mais pas en mammouth cette fois-ci. Ouais, le mammouth en terrain je pense. Mammouth en terrain, très bien. Mammouth en terrain c'est droite. C'est ça. Très bien. Au prochain tour, il y a de grandes chances que tu fasses ton passage de Simrush en rouge. Là maintenant? Ouais, c'est ça. Oui, je dis prochain tour, mais ton adversaire va très vite, c'est pour ça. Et là, tu peux jouer ton élémental de feu de brousse. Exactement. Il est beau. Qui, qui a encore une fois le même effet que le mammouth et que le cerbère. Et tu vas voir, tu peux attaquer dès le premier tour parce qu'elle a la célérité. Ce qui lui donne du coup la vitesse suffisante pour ne pas être affecté par ce qu'on appelle le mal d'invocation. Et ben on y va. Paf. Créature qui n'est pas malade. On y va direct. Comme il avait rien à bloquer, alors, le jeu lui a pas laissé le choix, du coup ça go direct. Je suppose. Et cette carte-là, elle a à peu près le même effet que le mammouth que tu connais déjà. C'est-à-dire que dès que tu vas jouer un terrain, elle va gagner +2/+2 de statistiques jusqu'à la fin du tour. Ok, ça marche. Donc là, on va poser un terrain, je suppose. Soit une forêt, soit... Hop. Alors, ce qui va être intéressant, ça va être de jouer ton tavernier de Bornemur, je pense. Ouais. Et cette carte-là, c'est un petit peu le côté... Petit côté Depardieu. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vrai, aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un petit peu ce côté Depardieu. Mais il a surtout ce côté piocher des cartes et du coup, essayer d'établir... d'avoir un avantage de carte par rapport à ton adversaire. Ouais. Cette carte-là, à chaque fois que tu vas jouer une créature qui a une capacité d'aventure, c'est-à-dire comme la bête frappée d'amour ou les gens Krakos... Une capacité où tu peux d'abord jouer un rituel, le livre, et tu vas piocher une carte, ce qui fait que tu vas récupérer les cartes dans ta main. Là, tu peux attaquer. Ouais, on attaque. Et ce qui est bien, c'est que tu vois ton géant Krakos, il a une aventure qui met 2 points de dégâts où tu veux pour 2 mana, donc tu pourras le jouer pendant le tour de ton adversaire. Ah, donc pas tout de suite. Non, là, il peut pas bloquer ta créature de toute façon. Ouais, ok, oui, normal. C'est l'effet de l'élémental. Et là, c'est terminé le tour. Ok. J'essaie de pas redéclencher la corde parce que bon, je veux qu'on se batte. Ah, je vois dans le chat que les gens disent que les decks présentés sont forts. Oui. Bah, j'espère bien. J'espère bien qu'on va pas jouer 5 decks. 3 cartes. Quand vous commencez le jeu, vous avez 5 decks déjà sur le compte et vous jouez pour en débloquer 5 ou 10 autres. Merci Ono pour le raid. Donc il y a vraiment plein de decks pour choisir. Merci beaucoup. Là, bon, on va dire ok. On joue à Magic. On joue on fait quoi? Résolution? Ah oui, non. Tu fais résolution. En fait, le jeu, vu que tu peux répondre, vu que tu as un éphémère à jouer dans ta main, le jeu te propose de répondre. Ah ouais, d'accord. Ah, mais là, je peux le jouer. Peut-être. On est pendant son tour. Là. Ouais, bon, là, tu vas le laisser jouer voir ce qu'il décide de faire. Ah oui, il a aussi le piétinement, je vois. Enfin, piétineur. Ce que vous m'expliquiez tout à l'heure. À piétiner, c'est le nom du sort, en fait, aventure. D'accord. Ça s'appelle un peu comme le piétinement, mais c'est... Ah, ça okay. Donc là, il décide de nous attaquer et on peut juste... Et on va la tuer, on va juste la tuer en réponse à son attaque. Ouais. Et là, on répond avec quoi? Enfin, on... Avec le géant. Avec le géant Krakos, d'accord.
Quand on dit répondre, en fait, c'est jouer une carte en réaction à ce que fait l'adversaire. Ouais, et du coup, avec... En fait, à Magic, à chaque fois que tu proposes une action, tu passes la priorité à ton adversaire pour savoir s'il veut répondre à l'action que tu fais. Ok. C'est la richesse du jeu. Alors évidemment, au début, c'est pas toujours très très simple, mais... Ouais, bah après, on apprend en jouant, c'est comme ça, hein. C'est ça. C'est que tu peux t'amuser genre au bout de 5 minutes dans le jeu et au bout de 10 ans, tu découvriras encore des trucs. C'est, ah, ça, c'est trop bien. C'est richesse. Ah, oula. Merde, j'ai fait quoi? Il fallait poser un terrain. Attendez, j'arrive. Oh, c'est pas grave, je fais des erreurs, c'est comme ça. C'est pas très... Mais du coup, n'attaque pas, alors. Tu peux attaquer avec l'élémental, quand même, parce qu'il est imbloquable. Ouais. Ok. Ah, c'est bien que je joue un peu vite comme ça, je fais des petites erreurs. Mais là, je peux le poser maintenant avec ça, non? Non. On va pas le gâcher. Je pense que tu vas plutôt jouer ton géant Krakos. Moi, je jouerai le géant Krakos et tu vas voir ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en jouant ce géant Krakos qui avait une capacité d'aventure, tu vas piocher une petite carte avec ton tavernier. Et ça, c'est toujours fort appréciable. Plus, il est 4-3, et là, tu peux poser ta montagne et passer le tour. Exactement. Désolé. Désolé pour cette erreur. C'est pour ça que ce deck est puissant, c'est qu'il a une stratégie très agressive, très rectiligne, mais il est capable quand même d'aller ce qu'on appelle en late game, comme dans les autres jeux, d'aller à la fin de la partie parce que tu vas quand même récupérer pas mal de cartes. Ouais. Ouais, désolé pour la cam. Hein. Oh. Ah, c'est stratégie très énervée de la part de l'adversaire. Il a joué un équipement, c'est un peu comme notre time raise. Il a fait la double attaque. Ça donne le vol, la double initiative, etc. à sa créature. Et plus 2. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est poser un petit terrain. Exactement. Bon, plutôt le passage. Ah, plutôt le passage. Ah, plutôt le passage. Moi, en vert ou en rouge? En rouge, plutôt en vert parce qu'on a le petit limon nécrophage. On a le limon, exact. Bon, ça c'est de l'optimisation, c'est pas très important pour le coup. Et là, on peut jouer du coup l'impact comme tout à l'heure et tuer sa créature. C'est ça la puissance de ces cartes là, c'est que c'est à la fois un terrain quand on a besoin. Alors là, il faut que je paye 3, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Exact. Mais c'est aussi ce qu'on appelle un anti-créature. Ah, c'est vraiment fort, hein. C'est très très fort. Surtout qu'il a un des effets, vas-y, tu peux confirmer. Un de ses effets, c'est que si tu payes plus de 6 pour X, ça va infliger deux fois plus de blessures à deux cibles. Et là, je t'attaque avec tout, parce que c'est gratuit. Et là, tu attaques avec tout, parce que c'est gratuit. C'est pour ça que quand tu vois le symbole de la petite carte, là, c'est orange. Le orange, c'est les cartes mythiques, c'est les cartes les plus puissantes du jeu. Ouais, normal. Oh, il peut s'avérer que certaines mythiques soient un peu moins évidemment, puissantes. C'est ça la puissance de Magic. Oh là. Et il ne pouvait rien faire. Ah là là, c'est terminé. En même temps, ça... Il est dévasté. On sentait que la partie tournait à notre avantage, j'ai envie de dire. On n'était pas inquiétés, je vais pas te cacher. on était plutôt bien. Ouais, on n'était pas inquiétés. Bon, messieurs, c'est donc un 100% de win rate. Ouais. On va juste te montrer ce que donne la version BO3 de ce deck-là, si tu veux juste ouvrir et jeter un œil. Ouais, vas-y. Alors, où je vais pour ça dans deck. Vas-y, retourne dans deck. Deck. Et du coup, tu as la version Grul aggro en BO3 tout à droite. Ah oui, ici. Ok. Voilà. Et alors, donc, ça, c'est une liste qui est adaptée au metagame. Ah, il y a la réserve. Voilà. Ah ok, si. Si, c'est ça. C'est la réserve. Et donc, ça, c'est ce qu'on aura dans la game 2 ou 3. Forcément. Exactement. Exact. En fait, tu vas entre la game 2 et la game 3, ton deck va s'ouvrir et va te proposer de switcher n'importe quel nombre de cartes contre les cartes de ton deck. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut garder le même deck aussi. Ça veut dire qu'on peut garder le même deck à la game 2. Tu peux aussi ne rien changer. Ah, d'accord. Ouais. Tu peux aussi ne rien changer, effectivement. Ok. Mais on a toujours une ou deux cartes à changer. Par exemple, Flétrissure, meilleur exemple. C'est une carte qui ne sert qu'à détruire les artefacts et enchantements. Donc ça sert à rien de la jouer dans le deck principal si ton adversaire n'en joue pas. Oui, bien sûr. C'est une carte qui fait rien. Par contre, après du coup en game 2, si c'est un adversaire qui en joue beaucoup ou en tout cas qui est très impactant, t'en as 3 en réserve. Et ben voilà, t'en mets 3 et typiquement Tidebreath c'est un artefact. Si tu joues contre le même deck que toi, tu les rentres pour lui casser. Okay. Dans le jargon des magiciens, on appelle ça des cartes étroites. C'est des cartes très puissantes mais qui sont trop étroites pour être jouées dans les dans les decks principaux. Qui sont trop situationnelles spécifiquement. Exactement. Alors j'imagine que c'est comme dans n'importe quel TCG, il y a très peu de gens qui font des decks et beaucoup qui copient, je suppose. Ou est-ce que c'est plutôt un jeu où on fait son propre deck? Il y a de tout. C'est ça qui est encore une fois incroyable avec Magic, c'est que ça se consomme à tous les niveaux, tout le monde peut se faire plaisir. Évidemment, si vous voulez faire du compétitif, on vous conseille le net decking. C'est pas une tare, c'est même conseillé pour le coup. Ah ouais, d'accord. Il y a des professionnels qui travaillent entre guillemets à c'est plein temps. C'est leur vie de trouver les meilleurs decks et de les optimiser. Ouais, mais ça, de toute façon, c'est clair parce que c'est que des mathématiques, etc. Donc, Exactement, c'est un gros problème, c'est un gros puzzle Magic et il faut résoudre ce problème à chaque fois. Ouais. Et pour le coup, les pros font ça à peu près mieux que les autres et c'est normal. Ça doit être parce qu'ils jouent depuis 25 ans. Exactement. Par contre, il y a plein de formats qui laissent cours à ton imagination, notamment le multi-commandeur dont on te parlait où tu joues avec tes potes autour d'une table. Ouais, ça, c'est trop bien. Là, il n'y a pas de decklist, tu fais ce que tu veux. Et puis, il y a des gens qui adorent ce côté deck building. On peut être
un très bon deck builder, constructeur de deck, et un moins bon joueur. Ouais. On peut être un très bon joueur et un piètre deck builder. Et pour le coup, même si au début, quand tu t'intéresses à la compète, tu prends des decks qui marchent, tout le monde finit par essayer ses propres decks. Ou au moins prendre un deck qui existe et adapter en mettant des trucs que tu aimes bien dedans. Exactement, ce qu'on appelle du tuning en fait, et c'est très très plaisant aussi. Sans les néons. Sans les néons, effectivement. Ouais. Ou alors avec des néons, comme on veut, finalement. C'est voilà, la préférence de chacun. C'est hyper intéressant en tout cas de voir que le jeu est ultra riche. Bon, évidemment, j'en attendais pas moins pour un jeu qui a autant de maturité, on va dire. Mais c'est vrai que c'est cool qu'ils aient réussi à bien retranscrire ça, en plus en version PC, parce que c'est vrai que je savais pas trop ce que ça allait donner là-dedans, et voilà. Okay. On précise une dernière chose, je le vois sur le chat et vous avez raison, tout ce qu'on a fait ce soir, on a parlé de format construit, donc les formats construits c'est tu choisis avec les cartes que tu as envie de jouer, tu crées ton deck et tu pars t'affronter en ladder. Il y a un autre format très compétitif de Magic qui ressemble beaucoup à l'arène dans d'autres jeux, c'est ce qu'on appelle le draft, c'est des formats limités, et là pour le coup tu n'as pas besoin d'avoir tes cartes. Tu vas drafter, c'est-à-dire choisir des cartes dans un booster, c'est bien ça. Faire passer le booster, et c'est un pan tout aussi important de Magic que le format construit qu'on a joué. Alors moi, je vois que j'ai pas mais encore accès. On n'avait pas le temps de rentrer dans ces détails-là. J'y ai pas encore accès. J'imagine qu'il faut jouer un peu pour qu'il se débloque. Ok. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est des formats qui nécessitent une prise en main, un niveau de compréhension supérieur, puisqu'en fait, ça ne se déroule pas de la même façon. Tu vas construire ton deck avec des cartes que tu ne possèdes pas, que tu vas récupérer au moment de jouer. Et justement, c'est pas recommandé pour les débutants, mais d'abord comprendre les règles du jeu avant de se lancer dans construire un deck. Normal. Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre émission. Je rappelle juste qu'on a été coaché par Val EPL, Magic Arena FR. Donc, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle, ils expliquent comment jouer au jeu. Mais aussi, ils font certains, des decklists, effectivement, des decks qui marchent. Vous avez notamment une vidéo sur leur chaîne, tuto débutant, apprendre les bases de Magic. Bon, une vidéo d'il y a 2 ans, mais qui est là. Les bases sont les mêmes. C'est toujours la même base. Les bases sont les mêmes. Donc, n'hésitez pas à aller suivre leur chaîne, évidemment. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Ouais, merci beaucoup de nous avoir reçus sur ton stream et de nous avoir permis de parler de notre passion à ta communauté. C'est un régal, vraiment. Merci beaucoup et merci au chat qui a été parfait avec des questions pertinentes. Vous avez régalé. Immense plaisir. Ah, merci, bravo au chat. Mais merci à vous, effectivement, d'avoir pris ce temps-là pour expliquer. J'espère que ça fera net des vocations et pourquoi pas, imagine, peut-être dans un an, quelqu'un dira « J'avais découvert le jeu sur le stream de Zera, maintenant je suis au tournoi Major Magic », ce serait ouf. Ah, ça serait incroyable. Ça me plairait. C'est déjà arrivé sur certains jeux, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc ce serait top. Bon, merci beaucoup les gars, je vous laisse ici et je vais aller vous laisser vous préparer pour votre tournoi et je vous hosterai de toute façon. Okay. Merci beaucoup. Super. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup les gars, ciao.